En mars 2022, j'ai pris la route, accompagné de Didier, en direction de l'Auvergne, où se trouve le château de Vaux. Un endroit devenu célèbre au début des années 80 grâce à la légende d'une jeune femme défunte nommée Lucie qui enterrait le chemin de ronde et une des tours de la forteresse. Cette histoire de fantôme sera grandement popularisée par les médias et notamment par France Inter et TF1 en 1984, suite à la diffusion d'un reportage contenant des éléments troublants présentés comme des preuves à part entière. Pour être à mon tour témoin de ces étranges manifestations et pour essayer de les comprendre, j'ai décidé de résider pendant une semaine dans le château de Vaux, où je vais pouvoir multiplier les expériences, les observations et les découvertes. Je m'appelle Gus DX et vous allez vivre avec moi cette nouvelle expérience de chasseur de fantômes. Cela fait désormais 3 jours et 2 nuits que nous séjournons au château de Vaux, et pour le moment, les recherches que j'ai menées en amont de ma venue et mes premières observations sur place ne plaident pas vraiment en faveur du fantôme. La légende de Lucie pourrait ne pas être totalement fondée, et malgré notre grande vigilance, pour le moment, nous n'avons absolument rien constaté d'étrange, ni rien vécu d'inexplicable dans les lieux. C'est donc avec de sérieux doutes que je vais aborder cette 3e soirée d'enquête. Une 3e soirée que j'ai décidé de consacrer essentiellement à la surveillance passive des lieux depuis le QG que nous avons installé dans une des chambres du château. Plusieurs caméras infrarouges sont en effet installées dans différents espaces permettant d'observer les lieux à distance, et plusieurs microphones permettent d'entendre parfaitement et en direct tout ce qui pourrait retentir dans le chemin de ronde et dans la tour des gardes où le fantôme est censé apparaître et s'exprimer. Ce soir, Didier et moi-même allons donc observer et écouter attentivement les lieux. Pendant un long moment, nous n'allons absolument rien constater de particulier. Pas de mouvement, pas de déplacement, aucun bruit, ni aucun son. Le temps passant et l'heure avançant, je vais même commencer à perdre un peu ma vigilance, et c'est Didier qui va subitement me rappeler à l'ordre. Il n'est pas tout à fait minuit quand quelque chose va en effet soudainement se faire entendre à travers l'installation audio. Un bruit qui sort de l'ordinaire, que Didier va entendre à travers son casque et qu'il va identifier comme étant une éventuelle voix féminine. Et c'est pas une chouette, hein. C'est pas la même tonalité. D'une voix féminine. N'ayant pas mon casque sur la tête à ce moment-là, je n'ai pas été témoin de ce que Didier me raconte avoir entendu, et qu'il décrit très calmement comme étant une possible voix féminine. Effectivement, aussi incroyable que cela puisse paraître, comme vous avez pu le constater vous-même, et comme je le découvrirai à mon tour plus tard, un son discret mais perceptible ressemblant à une courte exclamation jeune ou féminine a bel et bien été enregistré et capté par les micros installés dans le chemin de ronde. Vraiment ?
Comme je n'ai pas entendu ce son sur le moment, et comme Didier semble ne pas être plus étonné que cela, nous poursuivons notre surveillance comme si de rien n'était. Pourtant, il est pratiquement minuit, l'heure à laquelle les manifestations inexplicables auraient généralement lieu dans le château de Vos, et quelque chose de possiblement extraordinaire vient justement de se produire. Nous sommes donc peut-être en train de passer à côté de quelque chose. Heureusement, cet événement étonnant va se répéter quelques minutes plus tard, et cette fois-ci, je vais en être à mon tour témoin. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Tu entends? Oui, monsieur, c'est femme. C'est marqué quoi tu me dis tout à l'heure. Oh, c'est pas possible. Je sais pas si c'est un oiseau. Mais non. C'est incroyable. Abasourdi par ce que nous venons d'entendre, et ne sachant pas exactement à quoi nous avons affaire, c'est avec une certaine fébrilité et une extrême attention que nous allons poursuivre notre écoute et notre surveillance, en espérant être à nouveau témoin de quelque chose, et en espérant surtout voir apparaître ce qui pourrait être à l'origine des sons qui ont retenti à l'instant. Il est minuit, et comme au premier abord nous avons eu l'impression de percevoir à plusieurs reprises des sons ressemblant étrangement à une voix féminine, à un gémissement ou à une courte plainte, ce que nous pourrions désormais entendre ou voir pourrait être déterminant. Ephraim Tagori de la Tour, l'ancien propriétaire du château, et de nombreux autres témoins au fil du temps, ont en effet signalé avoir parfois entendu des voix et des pleurs aux alentours de minuit depuis la salle des gardes et le chemin de ronde. Des manifestations sonores qui auraient bien souvent précédé l'inexplicable phénomène lumineux censé apparaître dans cette partie du château que nous surveillons. D'ailleurs, en 1984, lors du tournage des émissions de France Inter et TF1, des gémissements auraient été entendus un peu avant minuit par certaines des personnes présentes cette nuit-là. Des lamentations qui auraient donc précédé l'apparition du supposé fantôme. Comme ce que nous venons d'entendre pourrait ressembler à un gémissement humain, il est difficile de ne pas imaginer que quelque chose de singulier est peut-être en train de se produire, que cette histoire de château hanté est peut-être réelle et que nous pourrions peut-être être à notre tour témoins de ce phénomène inexplicable qui a fait la célébrité du château de Vos ces 40 dernières années. Sans dire un mot, et dans le plus grand des silences, nous allons donc rester totalement concentrés sur les images et sur le son que les microphones et les caméras que nous avons installés dans le château nous transmettent en direct. Malheureusement, rien ne va plus retentir, et rien ne va apparaître ou se montrer. C'est seulement au bout d'une bonne demi-heure de surveillance attentive que nous allons enfin nous autoriser à débriefer et à partager nos impressions et nos sentiments immédiats au sujet des sons étranges captés précédemment par les microphones installés dans le chemin de ronde. Ça, j'ai vu une voix féminine, c'est la même que j'ai entendue. Et j'avais l'impression que c'est même... Et ça répète la même chose. Une plainte. Ça répétait la même chose. Oui, ça a été... Oui. Mais alors c'est pour ça qu'on pouvait penser au cri d'un oiseau. Un oiseau, ouais. ça répète tout le temps le même cri. C'est ça. C'est ça qui me pose problème.
Mais est-ce que mais ça ressemblait tellement à une voix de femme qui aurait interpellé, tu sais. Avoir écouté ces sons-là, parce que ça m'intriguait. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir entendu des voix. J'ai cru vraiment au départ que c'était un oiseau. Et après... Après, je suis plus sûr. Si on est sur le registre voix humaine. Moi, j'ai pensé que c'était la baronne qui faisait du bruit ou quelqu'un comme ça, tu vois. Enfin... Hein? Bon, tu connais sa voix, pas. On dirait des pleurs, même, peut-être. Mais moi, j'ai cru à une plainte. C'est vrai, j'ai en train de me poser la question, une plainte. Ça serait un oiseau. Ça se pourrait. Mais par contre, celles qui suivent derrière, c'est la même chose. C'est plus net. Pour moi, c'est pas un oiseau. Pour toi, c'est pas un oiseau. Ah non, pourtant, je suis rationnel d'habitude. Mais là, je vois pas quel oiseau fait. Comme quelque chose d'aigu comme ça qui appelle. Ça pourrait être la voix d'une jeune fille qui interpelle. Non, pour moi, c'est un oiseau. Un oiseau. Alors, c'est pas une chouette, mais. À ce moment-là, tu peux te dire que n'importe quelle autre personne qui se trouve à ce moment-là dans le chemin de ronde et qui entend ça peut penser que c'est une femme, que c'est un périlleux, que c'est une voix de femme. Je suis le premier à l'avoir marqué. Tu sais, je suis rationnel. D'habitude, je vais toujours au rationnel. Oui, oui. Mais là, j'ai beaucoup de mal. Là, j'arrive pas trop, tu vois, à le faire. Pas parce que je veux absolument. J'ai le sentiment d'entendre une plainte. Une plainte, un appel. Oui, féminin. Je suis d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Et effectivement, la seule explication rationnelle... Pour moi, c'est un oiseau. Effectivement, si tu trouves le cri de l'oiseau qui fait ça... Voilà. Non, mais écoute... C'est effectivement une des solutions. En fait... Perturbé par ce que nous venons d'entendre, Didier et moi allons longuement débattre sur l'origine potentielle de ces sons, nous accordant tous les deux pour dire qu'ils ressemblent étonnamment à une voix humaine et que la seule explication rationnelle serait qu'il s'agisse en fait d'un animal, et principalement d'un oiseau. Mais à ce moment-là, de quel animal et de quel oiseau s'agit-il ? Pour en avoir le cœur net et tenter d'élucider ce mystère, je vais finir par m'emparer de mon téléphone et par utiliser Internet afin d'écouter les cris des chouettes et des hiboux de nos régions dans l'espoir de trouver l'éventuel responsable. Cette vérification immédiate ne va malheureusement apporter aucune réponse, puisqu'aucun des ululements et des appels animaliers que nous allons trouver et entendre ne va correspondre à ce que les micros du chemin de ronde ont capté et enregistré un peu avant minuit. Le doute étant donc véritablement permis, notre discussion autour de ce que nous avons entendu ce soir depuis notre poste de surveillance va se prolonger jusqu'à tard dans la nuit, oscillant entre la théorie surnaturelle d'une voix fantomatique et celle pleine de bon sens et plus rationnelle d'un animal nocturne qui s'exprime. Dans un souci de prudence, nous ne pouvons en effet rien affirmer, et nous allons conclure que s'il reconnaissait ces sons, seuls des ornithologues ou des spécialistes des chants des oiseaux seraient sans doute capables de mettre un terme à nos incertitudes. Nous allons donc arrêter cette soirée d'écoute et d'observation avec le projet de contacter des experts dès le lendemain matin. Avons-nous entendu un fantôme ? Avons-nous entendu Lucie ? Ou avons-nous simplement entendu un animal ? C'est la tête remplie de doutes, tourmentée par ces trois questions, que nous allons quitter notre QG pour aller nous coucher et passer une troisième nuit dans le château de Vos. Après une nuit réparatrice que rien d'étrange ou d'inexplicable n'aura perturbée, je vais immédiatement démarrer cette nouvelle journée dans le château en consacrant la matinée à la récupération des enregistrements audio de la veille sur mon ordinateur avec le projet d'écouter, d'analyser et surtout d'isoler puis de transmettre par la suite à qui de droit les sons que Didier et moi avons entendus un peu avant minuit.
Parce qu'ils sont spécialisés dans l'apprentissage et dans l'identification des chants d'oiseaux, j'ai décidé de contacter le studio Les Trois Becs. Ces experts éditent des ouvrages et des disques sur le sujet et ont aussi une chaîne YouTube dont nous avons consulté certaines des vidéos pendant la nuit. Je vais donc leur adresser un mail expliquant ma situation en leur demandant s'ils accepteraient d'écouter les bruits que les microphones ont captés depuis le chemin de ronde. Leur analyse permettra peut-être de savoir à quoi nous avons eu affaire, et s'ils reconnaissaient ces sons de manière irréfutable, l'hypothèse des lamentations fantomatiques pourra être totalement écartée. Désormais, je n'ai donc plus qu'à attendre une réponse de leur part. Je vais consacrer le reste de la journée à analyser et à mesurer différents paramètres à l'intérieur du château, mon but étant de vérifier si des ondes et des pollutions domestiques ou naturelles dans l'environnement pourraient avoir un rôle à jouer dans certains des événements extraordinaires qui ont été vécus à Vos ces 40 dernières années. Comme des chasseurs de fantômes et des enquêteurs en paranormal y ont parfois capté des impulsions électromagnétiques qu'ils ont estimées être d'origine surnaturelle, je vais commencer par vérifier si des sources naturelles ou domestiques produisant des champs électriques ou des radiofréquences ne sont pas à l'œuvre dans les lieux. Au fil de ma longue déambulation, je vais relever plusieurs fluctuations importantes dans le couloir aux armures du premier étage et découvrir qu'elles sont liées à la présence d'une installation émettant régulièrement un signal radio. Une installation qui pourrait donc expliquer les nombreuses manifestations EMF captées par d'autres avant moi dans cette partie du bâtiment. D'une manière générale, lors de ma vérification, je vais régulièrement capter des ondes générées par les outils et les réseaux de communication qui se trouvent autour ou à l'intérieur du château. Des pics électromagnétiques qui sont donc tout à fait normaux et qui n'ont absolument rien d'extraordinaire. Je vais ensuite déambuler dans les lieux avec un compteur Geiger, l'idée étant de contrôler la présence éventuelle de radioactivité. Vos se trouve en effet dans une des régions de France où les seuils peuvent être parfois élevés et on y trouve aussi du radon. Certains ont émis l'idée que la présence de radiation et de gaz radioactifs pourrait avoir un lien avec les phénomènes étranges qui ont été recensés dans le château. Si cette hypothèse est un peu farfelue, elle mérite tout de même d'être vérifiée. Après avoir parcouru l'ensemble du château avec mon détecteur, je vais pouvoir conclure que les taux de radioactivité présents dans les lieux sont a priori tout à fait normaux et sans conséquence. Un constat qui sera d'ailleurs confirmé par les premières données révélées par le dosimètre que j'ai installé il y a désormais 3 jours dans le chemin de ronde, qui indique déjà qu'en effet, le taux de gaz radon présent dans les lieux est plutôt insignifiant. Je vais clore mes observations et mon analyse de l'environnement en contrôlant la qualité de l'air, la température et le taux d'humidité à l'intérieur du château grâce à un capteur que j'ai laissé fonctionner pendant quelques heures dans le bâtiment. Je vais constater que l'air ambiant y est tout à fait sain, et je vais pouvoir conclure que les sensations de mal-être, les sentiments d'oppression ou les difficultés respiratoires qui ont parfois été ressenties par des résidents ou des visiteurs n'ont a priori aucun lien avec une éventuelle pollution de l'air. En conclusion, en dehors des fluctuations électromagnétiques captées dans les lieux qui s'avèrent donc être tout à fait normales et absolument pas surnaturelles, je ne vais rien constater de particulier dans l'environnement du château qui aurait pu expliquer ou avoir un lien avec les phénomènes majeurs qui semblent s'y produire. Je suis donc dans la cour du château de Vos, il est 22h39, c'est mon troisième jour ici, on est jeudi soir, je lance enfin, j'allais dire, la première véritable session d'enquête nocturne à Vos. Alors il pleut un petit peu, il pluvine. On est vraiment passé par toutes les météos ici, hein, et il fait relativement froid. Jusqu'à présent, pas de vraie enquête menée, enfin pas de vraie enquête, pas menée dans le sens où on l'entend d'habitude. C'était plutôt une observation jusqu'à présent, l'envie de comprendre, mieux connaître le château, faire des vérifications, et bien on a pu faire tout ça. Quand je dis on, c'est que je suis accompagné de Didier, qui collabore avec moi sur cette enquête, et qui se trouve actuellement dans un QG, il doit m'entendre normalement. Didier, tu m'entends ? C'est une réponse, je pense que ça voulait dire bien. Ok. Donc il surveille, il m'entend constamment, donc je suis surveillé à distance. Il y a aussi des caméras de surveillance qu'on a installées dans un QG donc, où il se trouve actuellement et qui va nous permettre, s'il entend la moindre chose, s'il voit la moindre chose de l'endroit où il est, il me répond, enfin il me le signale, pardon, et je m'y rends. Oui, je suis un petit peu pas stressé, mais le froid aide absolument pas à être cohérent. Donc je vais vite rentrer, en plus il pleut. Vous allez découvrir Vos de nuit. Alors il faut savoir aussi que l'avantage d'y avoir passé plusieurs jours
et d'y avoir séjourné fait que je connais assez bien les lieux maintenant, je m'y repère facilement, je connais certains des sons du lieu, je connais les pièges du lieu, je sais comment ils fonctionnent, et je suis aussi beaucoup plus apaisé que le premier jour et le premier soir, où forcément j'étais un petit peu inquiet de me retrouver là. La première nuit n'a pas été simple, j'étais un petit peu flippé, et les deux autres se sont beaucoup mieux passés. Donc je dirais pas que je suis totalement à mon aise, mais je suis beaucoup plus serein. Si j'avais fait l'enquête dès le premier soir, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc ça va être une déambulation nocturne en votre compagnie, mais surtout l'occasion pour moi de voir si j'entends, si je vois, si je constate des choses étranges. De son côté, Didier, qui est au QG, va faire exactement la même chose, mais en étant statique. Et pour le moment, on n'a absolument rien constaté de particulier, ça fait 3 jours, qu'en dehors des 3 sons un peu étranges qu'on a enregistrés hier soir, qui ont résonné dans le chemin de ronde, je n'ai constaté absolument aucun événement, phénomène qui pourrait me sembler suspect. Ce que je vais faire, c'est un peu comme à mon habitude, c'est me présenter et puis interpeller d'éventuels habitants invisibles, d'éventuels esprits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepterait de se manifester ce soir dans le château de Vos pour me montrer qu'il est là, qu'il accepte que je sois ici moi aussi? Je visite le château depuis 3 jours, je suis arrivé lundi. Peut-être que vous avez conscience de ma présence désormais. Peut-être que vous savez quelles sont mes intentions. Peut-être que ça vous a permis de savoir qui j'étais. Donc je m'appelle Guillaume. Je suis une personne qui essaye de comprendre ce qui se passe dans certains lieux et pourquoi des gens disent ou pensent que vous êtes là. Peut-être que vous habitez une des pièces de la maison, peut-être que vous vous trouvez dans une des pièces de la maison. Si vous voulez bien me guider ou m'orienter, en faisant un bruit, en m'appelant, en me faisant un signe quelconque, tout est possible, je n'attends absolument que ça. Et évidemment, mes intentions sont tout à fait pacifiques, bien au contraire, je suis juste venu vous rencontrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce, par exemple? Cette pièce où se trouve le piano? Est-ce qu'il y a un musicien à Vos? Donc je vais déambuler de pièce en pièce, tout simplement. J'ai pas l'intention forcément d'utiliser un matériel particulier, matériel habituel des chasseurs de fantômes. Les manifestations se font pas forcément de manière convaincante avec les appareils. Et je crois que l'environnement qui nous entoure est très suffisant pour ça. Donc je vais... Je vais juste espérer que l'environnement serve d'outil de communication.
ici, il y a une partie très intéressante dans ce château. La propriétaire, qui est une dame adorable, que j'ai eu l'honneur, pas d'autre mot, l'honneur et le plaisir de rencontrer. Une dame rayonnante et solaire, pas d'autre mot, vraiment, vraiment d'une gentillesse formidable, enfin, incroyable. Qui a donc été à recréer en fait une sorte de cabaret dans ce château. Et ça a été une des activités du château pendant des années. Activité qu'elle a dû arrêter à cause de l'effondrement de certains éléments de toiture et de certaines tours. Et d'ailleurs, c'est assez regrettable. Donc regardez, on a un véritable club ici dans le château de Vos. Et c'est très étonnant. Est-ce que quelqu'un vient parfois ici pour se remémorer certains souvenirs, peut-être d'une vie antérieure, une vie festive, faite de danse, de spectacle? Est-ce que vous m'entendez? Si c'est le cas, vous pouvez vous manifester en vous approchant de moi, en me touchant, en manipulant un objet, en me parlant. Je ne sais pas du tout ce que vous êtes capable de faire. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas. Est-ce que vous êtes là avec moi dans le club? Est-ce que ça vous intéresse qu'on passe un instant, un moment ici ensemble? Je ne sais pas trop à qui je m'adresse, mais on m'a expliqué que il semblerait, et c'est ce qu'on m'a dit, que plusieurs personnes, on vous appelle des esprits, on vous appelle des entités, on vous appelle éventuellement des fantômes. Que plusieurs personnes comme vous habiteraient les lieux. Est-ce que c'est le cas? Alors oui, je ne vous l'ai pas dit, ou je l'ai peut-être dit, je ne sais plus, il fait très froid. J'ai pas fait de prise de température encore en votre compagnie. Mais on a eu des 6 degrés dans certains espaces du château, et en général il fait 10 degrés un peu partout. Donc vous voyez que là on a... Il fait un peu plus chaud la température... Ah non, mais c'est la température... Forcément, le thermomètre était dans la poche de mon pantalon, donc c'est la température corporelle qui fait que sa température est un peu montagne. Mais vous voyez que la température de surface actuelle est de 10 degrés 6. C'est le chiffre qui est en bas. Et vous voyez aussi que le taux d'humidité... Et plutôt correct malgré la pluie. Enfin, je veux dire, il est normal pour une habitation. Allez, je quitte la scène. On va aller dans un autre endroit. Je vais poursuivre cette déambulation nocturne, presque solitaire, dans toutes les autres pièces du rez-de-chaussée. Et notamment dans les 3 salons salle à manger où la propriétaire actuelle des lieux organisait des dîners à thème il y a encore quelques années. Je vais m'y attarder un peu en invitant d'éventuels habitants invisibles à me rejoindre et à se manifester. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Comme mes sollicitations ne vont pas avoir un grand succès et qu'absolument rien de particulier ne va se produire, je vais finalement quitter cette partie du château pour arpenter une zone moins fréquentée et plus délabrée du bâtiment. Je vais évoluer dans ce cadre presque horrifique avec une extrême prudence, en multipliant les interpellations et en observant les lieux avec une grande attention. Mais là encore, malgré mon insistance, rien d'extraordinaire ne va se produire. Et comme l'endroit est potentiellement dangereux, je ne vais finalement pas trop m'y éterniser.
Je vais donc rejoindre et emprunter l'escalier principal du château pour accéder au premier étage, où se trouve un vaste couloir qui sert de galerie d'art, où sont notamment exposés de nombreux tableaux. Un endroit particulièrement intéressant, puisque d'autres avant moi y auraient enregistré d'inexplicables bruits de pas pendant la nuit. On arrive dans une partie très étonnante du château. Une partie qui contient de nombreux trésors, il n'y a pas d'autre mot. Puisqu'il s'agit d'une galerie, galerie au tableau. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, ce tableau, je voulais vous le montrer, c'est un tableau très important, je trouve, non seulement parce qu'en fait, je l'avais vu déjà dans des documentaires consacrés à Vos. Je me souviens notamment du baron de Tagori de la Tour qui nous explique ce que l'on voit sur ce tableau. Et en fait, il est immense, il doit bien faire 2 mètres sur 1,80 m, peut-être pas, 1,80 m sur 1,80 m, ce qui est très grand. Les couleurs sont magnifiques, il est, je trouve, très beau, très étonnant. Il y a beaucoup de petits détails quand on s'en approche. C'est vraiment un très 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 beau, très très belle œuvre. Voilà, je tenais vraiment à le dire. Ça m'a impressionné de le voir. Quand je suis rentré dans cette pièce, j'ai vu ce tableau, j'ai fait « waouh ». Il est magnifique. Ici, alors, on a Victor II. C'est la version un peu revisitée de Victor, qui est en train lui aussi de surveiller ce couloir. Pourquoi ce couloir? Alors, Victor est équipé d'oreilles qui lui permettent d'enregistrer le son en 3D, en binaural, en stéréo, en une vraie stéréo qui permet de connaître vraiment la... Il enregistre de manière spatiale, le son de manière spatiale. Il est équipé aussi d'une caméra à vision nocturne qui est donc en train de surveiller jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie en tout cas, en train de surveiller les lieux. Pourquoi je l'ai installé là? Parce que des enquêteurs qui sont venus précédemment ont entendu ou enregistré des pas avec des équipements, en tout cas, qui étaient installés ici. Pour ma part, nous, on a constaté que quand on est ici, dans cette pièce, quasiment où que l'on se déplace dans les étages, on entend les pas. On entend évidemment ce qui se passe dans le couloir qui est au-dessus et dans les chambres. On entend très bien ce qui se passe dans les escaliers, que ce soit celui qui est ici, l'escalier en colimaçon que j'ai emprunté, ou derrière cette porte, un escalier blanc qu'on voyait déjà au rez-de-chaussée qui monte à l'étage. On entend tout ce qui se passe là à gauche, dans les appartements de la propriétaire. Vous voyez les portes au fond, que je suis en train d'éclairer. Ce sont des portes que je n'ai pas passées, puisqu'en fait... ce sont les appartements de la propriétaire, Madame Winsor. Et puis toutes les portes qui sont là, je ne vais pas les ouvrir, parce qu'on m'a demandé de ne pas vous les montrer, ce sont des endroits privés, mais ce sont d'immenses pièces dans lesquelles sont stockés des objets personnels, entre autres, ou des objets qui n'attendent qu'à être réinstallés dans certaines pièces du château qui est en rénovation par endroits, en restauration. D'ailleurs, il y a eu un travail remarquable qui a été fait par le fils de la propriétaire et la propriétaire pour redorer un petit peu les lieux. Et je ne vous cache pas que les endroits où je séjourne, ma chambre notamment, et la chambre de Didier, enfin, il y a tout un étage que je vous montrerai peut-être, et que vous avez peut-être déjà vu, puisque je vais peut-être filmer certains moments là-bas, ces espaces-là sont rénovés, sont vraiment, vraiment magnifiques. Cet espace, il y a des œuvres d'art, des tableaux d'artistes, des sculptures, des choses magnifiques, des souvenirs aussi. Est-ce que les artistes qui ont peint ou est-ce que les personnes qui sont représentées sur certains de ces tableaux viennent parfois dans cet endroit ?
Je crois que M. Tagori aimait tout particulièrement l'art, puisque tous les ans était organisé un concours, je crois que c'était un concours, en tout cas une manifestation artistique, autour de la peinture. Est-ce que M. Tagori vient parfois, si vous m'entendez, est-ce que vous venez parfois dans cette galerie que vous connaissez sans doute très bien? Monsieur Tagori, est-ce que vous pouvez me répondre? Ou est-ce que je vous importune en vous sollicitant? Et alors juste ici, il y a un endroit que je trouve pas étonnant, mais... enfin, si, le fait qu'il soit là est étonnant, mais c'est la petite chapelle du château. Un endroit que je trouve attirant parce que apaisant, qu'on croit en Dieu, qu'on soit catholique ou qu'on soit d'une autre religion, on ne peut que se sentir étonnamment apaisé, étonnamment... je sais pas, une forme de sérénité évidente quoi, dans ce genre d'endroit, et ça fait beaucoup de bien. Est-ce que je suis tout seul, là, dans la galerie, ce soir, et dans le château, de manière générale, ou est-ce que je pourrais avoir le plaisir de rencontrer les fantômes, les esprits, les habitants du lieu? M'entendez-vous? Acceptez-vous de vous manifester? Il y a quelqu'un? Alors il faut que je me méfie, il n'est pas encore minuit, et il est fort probable que j'entende, si elle ne dort pas encore, la propriétaire. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit non plus, parce que je ne voudrais pas l'importuner. Même si je suis dans un château très vaste, c'est très particulier d'enquêter en sachant que les propriétaires des lieux sont là, en train de dormir. D'ailleurs, ça a été le cas de tous les enquêteurs qui sont venus précédemment. Il faut bien avoir en tête que, même si ce n'est pas toujours très explicite, qu'ils ne sont pas totalement seuls et que là, la propriétaire doit être à quelques mètres de moi et son fils aussi, puisque lui, il dort, sa chambre est à l'étage juste au-dessus. Là. C'est important de l'avoir en tête. Alors, j'ai eu un petit moment là de... étrange, je n'ai pas exprimé, j'attendais de voir si quelque chose allait se passer. Mais il ne s'est rien passé et j'étais très étrange. Un passage où je me suis senti, je ne saurais pas dire, comme pas seul, mais c'est évidemment un sentiment très personnel qu'absolument aucun événement particulier n'est venu corroborer, donc il n'y a pas de manifestation pour le moment. Continuer ma visite des lieux. Je vais emprunter l'escalier qui se trouve là-bas pour monter à l'étage supérieur.
Ah, c'est bizarre, hein, cet endroit. En fait, je pense... Il y a quelqu'un? C'était assez infime pour vous, mais je viens à l'instant d'entendre un tout petit bruit qui pourrait être un bruit de pas. Mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ou un toc... principalement dans ce couloir, on entend tous les sons quasiment qui proviennent de tout le château. J'allais vous dire que j'avais un sentiment très particulier depuis que je suis ici. Je pense que c'est lié à tous ces tableaux. J'ai l'impression d'être observé fois le nombre de tableaux qui sont sur les murs, en fait. Et étonnamment, ces tableaux sont vraiment faits de façon à ce qu'on a l'impression que les regards des personnes qui sont peintes vous suivent. En tout cas, pour la plupart. Et c'est très perturbant. Donc la sensation que j'ai depuis tout à l'heure de présence, quoique là j'ai un grand frisson, un grand coup de froid. Il y a quelqu'un avec moi ? C'est une pièce dans laquelle il n'y a pas vraiment de courant d'air, donc les sensations de froid, c'est quand même... Bon, il fait froid, mais... Ouais, cette pièce est particulière, elle met mal à l'aise. Quand on y est seul, de nuit, avec une torche, en train d'interpeller des fantômes. Sensation très étrange ici, mais comme je l'expliquais, ouais, ça me met déjà des frissons, c'est très bizarre cet endroit. Parce qu'à présent, c'est peut-être celui qui m'a mis le plus, c'est pas mal à l'aise, mais j'arrive pas à le quitter. J'ai l'impression que je pourrais passer à côté de quelque chose si je m'en allais. Vous êtes là ? Vous êtes là ? Y a-t-il quelqu'un ? S'il est fort probable que les nombreux portraits qui couvrent les murs ne soient pas totalement étrangers au sentiment de présence que j'ai ressenti, cette galerie du premier étage reste pour le moment l'endroit du château qui m'aura peut-être le plus troublé, et de peur de passer à côté de quelque chose, j'ai de ce fait un peu de mal à quitter les lieux. C'est finalement ce que je vais tout de même décider de faire, puisque je dois avoir rejoint le chemin de ronde avant minuit. Je vais donc désormais laisser cette intrigante galerie sous la seule surveillance de Didier et de Victor, et je vais me rendre à l'étage suivant, où se trouve un autre large corridor qui donne accès à plusieurs pièces et plusieurs chambres en cours de rénovation. Je vais visiter et observer chacune d'entre elles, en alternant les moments de silence et les phases d'interpellation. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous accepteriez de me répondre ? Comme je ne vais rien constater, rien entendre, ni rien voir de particulier, et comme minuit approche, je vais finalement poursuivre ma déambulation jusqu'à l'étage du château, où se trouve la chambre du fils de la propriétaire des lieux et les chambres où nous séjournons. Comme c'est aussi là que se trouve le QG que nous avons mis en place, je vais donc rejoindre Didier qui surveille attentivement les lieux et mes déplacements depuis son poste. Lors de cette visite nocturne du château, n'ayant rien eu d'extraordinaire à signaler à l'autre, Didier et moi n'avons eu à aucun moment besoin de nous contacter. Et nous allons rapidement débriefer ensemble, nous accordant à dire qu'absolument rien de particulièrement intéressant ne s'est produit pour le moment. Tout à l'heure.
Il n'est pas tout à fait minuit, et je vais désormais poursuivre mon enquête et mes observations dans la partie réputée hantée du château de Vos. Là où, à la même heure hier soir, les microphones qui y sont installés ont capté des sons troublants dont nous ne connaissons pas la provenance et l'origine. 23h54, il est bientôt minuit. Lucie ? Je m'appelle Guillaume. Je suis là depuis quelques jours, vous le savez peut-être. Et je suis venu pour, en grande partie, essayer de comprendre ce qui se passe peut-être ici, qui vous êtes, si vous êtes bien là. Essayez à mon tour d'être spectateur de votre présence. Je vous serai extrêmement reconnaissant, je serais extrêmement honoré de vous rencontrer à mon tour, comme d'autres peut-être avant moi ont eu le privilège de vous voir et de vous rencontrer. Alors, je suis donc dans le chemin de ronde, tout seul, il est pratiquement minuit. Voilà, c'est ce genre d'éclairage qu'on a mis un petit peu partout, je vais vous montrer ça en éteignant ma torche. L'idée étant de reproduire ce qui a été fait a priori en 1984. Donc c'est un éclairage ultraviolet qui est censé relever la lumière de l'apparition. Enfin, en tout cas, c'est ce qui avait été installé par TF1 et France Inter en 1984. C'est pour ça, en tout cas c'est ce que Raymond Réan a expliqué, c'est pour ça que j'ai installé ça, en me disant que peut-être ça permettrait de voir l'apparition, notamment pour la caméra. Si j'ai souhaité mettre en place une telle installation, c'est parce qu'il se pourrait que lorsque France Inter, TF1 et Télé 7 Jours sont venus à Vos en août 1984, un dispositif d'éclairage similaire ait été installé dans le chemin de ronde. Et si elle a existé, cette installation pourrait peut-être avoir joué un rôle dans le processus d'apparition ou de visibilité du phénomène qui s'est produit et qui a été observé ce soir-là. La présence de lampes ultraviolets n'est précisée ou mentionnée dans aucun des reportages ou des articles parus dans les médias depuis 40 ans. Elle figure essentiellement dans un livre publié en 1986, écrit par Raymond Réan, le médium parapsychologue qui avait participé au tournage de 1984, accompagné de sa petite fille Aurore, aux côtés de Jean-Yves Casga et de ses équipes. Dans cet ouvrage, intitulé « La parapsychologie et l'invisible », l'auteur fait un compte-rendu de son séjour à Vos, et on peut lire à plusieurs reprises que le chemin de ronde était équipé de lumière noire, ou rayons ultraviolets pour permettre à la caméra de TF1 de filmer dans l'obscurité sans utiliser un éclairage classique qui aurait pu entraver le processus d'apparition du supposé fantôme. N'ayant trouvé cette information nulle part ailleurs et souhaitant la vérifier, lors de mes échanges avec Jean-Yves Casga, je vais lui demander de me confirmer si un éclairage ultraviolet avait bel et bien été installé dans le chemin de ronde lors du tournage de 1984. Voilà ce qu'il va me répondre. Non, on n'avait pas. Il a dû se dire que quand il était avec nous, on avait de la lumière noire, mais on n'était pas équipé en lumière noire. Le seul truc qu'on avait fait, et ça je me souviens que le réalisateur avait vachement galéré, c'était que comme justement il était interdit de tourner avec de l'éclairage, il avait réussi à avoir une péloge d'une sensibilité incroyable en s'adressant directement aux fournisseurs de TF1, parce que c'était pas des trucs qu'ils utilisaient, mais c'était la péloge qui était extrêmement sensible et qui de toute façon rien donnait, mais il n'y avait pas de lumière noire. D'après Jean-Yves Casga, il n'y avait donc aucun éclairage particulier et encore moins d'éclairage ultraviolet dans le chemin de ronde. Si c'est vraiment le cas, cela voudrait dire que Raymond Réan aurait inventé cette histoire de lumière noire. Mais dans ce cas-là, quelle raison particulière aurait bien pu le pousser à ajouter cet élément dans son récit? Et quel intérêt aurait-il eu à le faire? Dans son livre, Raymond Réan expose sa version des faits, et je vais découvrir avec étonnement que son témoignage n'est pas toujours en adéquation avec ce qui nous est généralement raconté. Le médium explique par exemple que c'est Anne Hoang, la productrice de l'émission Contre-enquête sur TF1, qui l'aurait d'abord rencontré plusieurs mois avant le tournage, et qu'ils auraient cherché à développer ensemble un sujet consacré au phénomène de hantise. Ce serait seulement plus tard que Jean-Yves Casga, qui avait un projet d'émission similaire pour la radio, aurait collaboré avec Anne Hoang, décidant de se rendre ensemble à Vos pour y réaliser lors de reportages. Raymond Réan aurait donc été de la partie depuis le début, et d'après son récit, il aurait même participé à une réunion de préparation dans les locaux de TF1 quelques semaines avant le tournage de l'émission qui aura lieu au mois d'août 1984.
Dans son livre, le médium raconte aussi de quelle manière il était initialement prévu qu'il participe au tournage, et il révèle certains aspects méconnus, comme une séance de médiumnité qu'il aurait faite un matin dans le château de Vos, devant les caméras de TF1 et les micros de France Inter. Une séance qui lui aurait même permis de déceler la présence d'une jeune fille morte poignardée qui aurait été jetée dans les oubliettes de la forteresse. S'il est vrai, ce témoignage est assez surprenant car Raymond Réan a toujours été présenté dans les médias comme étant un invité de Jean-Yves Casga qui aurait participé essentiellement à la dernière soirée de tournage dans le château de Vos. Je vais donc interroger l'ancien journaliste de France Inter à ce sujet et celui-ci va cette fois encore réfuter l'ensemble du récit fait par le médium dans son livre. Ça m'étonnerait parce que Anne Hoang, elle avait effectivement ce projet-là, mais elle voulait qu'on décline le boulevard de l'étrange sur TF1. Je pense que Réan, il s'est inventé sa version à lui. La seule réunion dont je me souviens avec Anne, c'était pour qu'elle puisse vendre à TF1 qu'elle faisait ça. Et donc, on l'avait faite avec le réalisateur. Non, non, il n'était pas là. J'ai aucun souvenir de ça. À en croire Jean-Yves Casga, Raymond Réan serait donc un affabulateur. Pourtant, les détails donnés par le médium dans son livre, comme des dates, des noms, des horaires et des lieux, sont assez troublants. Je vais aussi découvrir que la séance de médiumnité qu'il raconte avoir menée dans le château de Vos dans la matinée du 8 août 1984 devant les caméras de TF1 et les micros de France Inter est mentionnée dans le fascicule touristique réédité par les Tagori de la Tour dans les années 80. Il semblerait donc que cette séance, qui n'a vraisemblablement jamais été diffusée dans les médias, ait bel et bien eu lieu. Il est donc difficile de savoir où se trouve la vérité et toutes ces contradictions dans les témoignages sèment forcément le doute. Ce qui pose un véritable problème puisque Raymond Réan a réellement joué un rôle majeur dans les événements qui se sont produits à Vos en août 1984 et qu'il est aussi à l'origine du document qui nous est présenté depuis 40 ans dans les médias comme étant une des preuves concrètes et visuelles de l'apparition du fantôme de Lucie. Ça n'a pas toujours été vraiment expliqué, et de ce fait, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est Raymond Réan qui est à l'origine de cette photographie. D'ailleurs, pour être très précis, si une seule d'entre elles a été médiatisée et est encore visible aujourd'hui, ce sont en fait quatre clichés montrant quelque chose d'étrange qui aurait été pris avec l'appareil photo personnel qu'utilisait le médium la nuit d'août 1984 où a été observé le phénomène lumineux dans le chemin de ronde. Ce qu'il est important de savoir, c'est que Raymond Réan n'utilisait pas un appareil photo instantané, et qu'il s'est lui-même chargé, par la suite, sans aucun contrôle particulier, de faire développer la pellicule qu'il avait utilisée ce soir-là. Le médium n'a donc fourni ces quatre clichés que quelques temps plus tard, et l'un d'entre eux a été immédiatement présenté et utilisé dans les médias sans aucune forme de prudence, comme étant l'inexplicable photographie d'un fantôme. Mais comment être sûr que ces quatre photos ont réellement été prises au moment où le phénomène lumineux aurait été observé un peu après minuit le 9 août 1984 dans le chemin de ronde du château de Vos? Cette photo-là est expertisée, vous vous en doutez bien. Un coup pareil, il a fallu l'expertiser, ça a été plusieurs fois vérifié. D'après Raymond Réan, ces clichés auraient été authentifiés par des experts. Mais si cette expertise a permis de contrôler qu'il s'agissait de vraies photos, elle n'a pas permis de vérifier si ce que l'on voit sur les photos est vrai. Je pourrais par exemple moi-même vous montrer cette image en vous affirmant qu'il s'agit d'une photo que j'ai prise à Vos lors de mon enquête, et que ce que l'on y voit est inexplicable. Eh bien, sans plus d'éléments à votre disposition que mes seules affirmations, vous auriez totalement tort de me croire, et tout à fait raison de douter puisque j'ai pris cette photo chez moi, dans la pénombre, sans flash, et qu'il s'agit en fait de quelques gouttes de colorant alimentaire versées dans un plat rempli d'eau. Pour la photo du fantôme de Vos, prise par Raymond Réan, c'est finalement la même chose. Puisqu'il est impossible de vérifier la réalité du contexte, on a toutes les raisons de douter de sa véracité. Lors de mes échanges avec Jean-Yves Casga, je lui ai demandé s'il ne s'était pas lui-même méfié de l'authenticité des photos que le médium lui avait fournies. Voilà ce qu'il va me répondre. C'est-à-dire, oui, j'ai eu le doute, mais comme... C'est ce que j'ai vu moi, donc ce que mon cerveau a mémorisé, c'est ça. Donc s'il avait bidouillé, il aurait essayé de faire quelque chose de plus net ou de moins interprétable ou sujet à interprétation. Moi, je m'étais dit, il n'a pas pu essayer, parce que effectivement, moi je voulais... Et ce qui m'avait mis le doute, c'est qu'il voulait absolument les faire développer lui. Après, j'ai compris, Réan, s'il n'a pas voulu me la confier, je pense que c'était juste parce que
Je pouvais la perdre, je pouvais la détourner, je pouvais la jeter, je sais pas. En poursuivant ma lecture du livre La parapsychologie et l'invisible, écrit par le médium en 1986, et en m'intéressant ensuite à un autre de ses ouvrages sorti en 1989, je vais faire d'autres découvertes particulièrement étonnantes. Raymond Réan explique qu'il serait revenu à Vos deux fois pendant l'été 1985 et que lors de son deuxième séjour, en compagnie d'autres visiteurs, il aurait vu apparaître la forme fantomatique d'une jeune femme nue sous une robe de voile blanc se mouvant devant la porte fermée de la salle des tortures au bout du chemin de ronde. Dans son autre livre, le médium raconte que l'année suivante, en 1986, il aurait à nouveau assisté à l'apparition surnaturelle d'une femme vêtue d'une légère robe de voile qui se serait mise à danser pendant quelques secondes. Ce qui lui aurait permis de prendre une nouvelle photo du fantôme. En dehors du fait que ce nouveau cliché n'est pas forcément très crédible et qu'il souffre du même problème de contextualisation que les photos prises en 1984, il est surtout difficile de concevoir que Raymond Réan ait pu être aussi souvent témoin de quelque chose d'a priori exceptionnel et qu'il ait surtout réussi à en obtenir des photographies. Depuis le début des années 80, des milliers de visiteurs sont venus à Vos dans l'espoir d'observer Lucie et aucun n'a jamais témoigné avoir vu autre chose qu'un élément lumineux, furtif et indicible. Et personne n'est jamais parvenu à en faire la moindre vidéo ou la moindre photo. Seul Raymond Réan aurait donc réussi cet exploit à plusieurs reprises. Avec autant d'informations contradictoires, exagérées ou invraisemblables concernant le château de Vos et les apparitions de son fantôme, difficile de savoir précisément où se trouve la réalité des faits et de cerner avec justesse les éléments qui mériteraient d'être considérés sérieusement. Pourtant, au milieu de toutes ces informations, même les plus étranges, il y a peut-être une petite part de vérité. C'est pour cette raison que, malgré mes interrogations et mes doutes, j'ai tout de même décidé d'installer un éclairage ultraviolet dans le chemin de ronde. Lucie, il est bientôt minuit. Comme le baron Tagori en son temps, et comme beaucoup, beaucoup de monde depuis, je suis venu pour vous ce soir. Dans l'espoir de vous rencontrer à mon tour. Est-ce que vous êtes là ? Qu'est-ce que j'entends ? Didier ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Didier ? C'est toi que j'ai entendu marcher ? Oui. Ah bon ? C'était Didier. Comme il n'est pas censé quitter son poste. Quoi ? C'est pas vrai. Alors, ben mon appareil photo marche pas. Il est minuit. Alors, vous l'avez pas vu, mais il y a une des lampes UV qui vient de s'éteindre, qui était juste devant moi normalement, qui est là. Elle est là. Qui vient de s'éteindre. Sans doute un problème de batterie.
Pourtant, les batteries, on les a rechargées complètement avant de refaire l'installation tout à l'heure. Bon, peu importe, ça peut arriver. Lucie, est-ce que vous êtes là? Je viens d'attendre, toc, 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 toc. Est-ce que t'as entendu, Didier? Oui, pardon. Tu l'as entendu? Oui. Lucie, est-ce que vous êtes là? Bon, je vous cache pas que je suis un peu impressionné d'être là, à me dire que peut-être je vais voir quelque chose. On sait jamais. Est-ce que vous m'entendez? Mon appareil photo n'a plus de batterie. Déjà? Ouais, et pourtant je l'ai allumé tout à l'heure pour vérifier, ça fonctionnait, et là il fonctionne pas. Bon, c'est récurrent, hein, on a eu que des problèmes comme ça depuis le début. Il fait froid hein, dans la galerie là, hein, où je suis hein, aussi. Il y a un courant d'air terrible. Lucie? Est-ce que c'est vous qu'on a entendu hier soir? Didier, j'entends à nouveau les toc 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 au loin. Oui, j'entends aussi, mais c'est pas très net. Non, c'est des toc 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 lointains, comme quelqu'un qui taperait sur quelque chose. À minuit passé, c'est un peu bizarre. Peut-être un animal. Lucie, est-ce que vous accepteriez de me rejoindre dans le chemin de ronde du château de Vos, Lucie, ou la personne qui se manifeste parfois ici? C'est moi le bruit, je vais me reculer, je vais aller dans la salle derrière, peut-être que je suis trop dans le... Je vais reculer un petit peu. Je suis peut-être trop dans le passage. Il fait un froid impressionnant. Il fait 9 degrés, ce qui n'est pas si froid que ça. 8 degrés. Lucie? Est-ce que vous vous souvenez du baron Tagori, Ephraim Tagori de la Tour, qui disait vous rencontrer régulièrement? Lucie, on raconte que vous avez été enfermée dans les oubliettes et que vous avez souffert dans la tour, derrière la porte, au fond du couloir, au fond du couloir, au fond du chemin de ronde. Est-ce que c'est le cas? Si ce que l'on raconte sur vous est vrai,
Sachez que je suis tout à fait peiné pour vous. Didier, est-ce qu'il n'y a pas eu un son comme hier soir, là, à l'instant ? J'ai cru entendre quelque chose. On raconte que vous avez peut-être été poignardé. Je sais que c'est pas très... C'est peut-être pas très heureux de vous raconter ça, de vous remémorer ce souvenir. Peut-être douloureux. Mais j'aimerais bien connaître votre véritable histoire. Accepteriez-vous de m'en dire un peu plus, en quelques mots ? Avez-vous été poignardé ? Alors, au niveau de mes sensations, j'ai froid. Il fait très frais, il y a un courant d'air. Je ne suis pas très couvert parce que, comme je dois porter un équipement qui ne permet pas d'avoir sur soi un énorme manteau ou un blouson. Je ne vous cache pas que c'est pas évident. J'ai froid aux bras, aux jambes. Et puis par moments, j'ai des petits coups de pression parce que je suis dans un endroit finalement mythique où beaucoup de gens ont peut-être vu le phénomène paranormal le plus incroyable qui soit, et le phénomène qui leur fait peut-être aujourd'hui encore croire aux fantômes. Pour le moment, je ne vois absolument rien de particulier. Lucie, je viens de passer déjà 3 jours ici dans le château de Vos pour essayer de comprendre votre histoire, pour essayer de savoir pourquoi vous êtes peut-être là, et si c'est vraiment le cas. Mais finalement, je pourrais passer des années ici, sans avoir de réponse, tant que vous ne déciderez pas de vous manifester. C'est le seul moyen que j'ai de savoir si vous existez vraiment. Je vais éteindre cette lampe-là, le temps de voir si je vois mieux le fond du chemin de ronde. Et puis je vais me rendre dans le chemin de ronde aussi, après. Gros courant d'air froid, là, à l'instant. Tu n'as rien vu de particulier, toi, Dudier, en retour infrarouge ? Rien. Que des orbes. Ok, donc de la poussière. Principalement. Lucie, je vais m'avancer dans le couloir, dans le chemin de ronde. Vous pouvez vous-même en faire autant pour venir à ma rencontre. Avec l'éclairage ultraviolet, la lumière noire, vous le voyez, est très particulière. Lucie ! Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me voyez ?
Est-ce que vous avez conscience de ma présence? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que vous avez quelque chose à partager, un témoignage à dire ou à faire? Est-ce qu'on peut vous aider d'une manière ou d'une autre? J'ai un peu de pression là parce que l'ultraviolet c'est quand même très particulier. Hein. Ça fait une ambiance vraiment vraiment spéciale. Un gros courant d'air froid à nouveau, mais je suis entre deux ouvertures. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chemin de ronde? Si se retrouver pratiquement seul, de nuit, dans le chemin de ronde du château de Vos en sollicitant un fantôme est déjà quelque chose d'un peu particulier et d'inquiétant à vivre, évoluer dans les lieux à la lumière de lampes ultraviolets est une expérience totalement surréaliste et particulièrement déroutante. Malgré cela, je vais réussir à garder mon sang-froid et à mener mon enquête en alternant les moments d'observation silencieuse et les expérimentations. Après avoir changé les batteries de mon appareil photo, je vais par exemple prendre plusieurs clichés. Je vais ensuite surveiller les lieux avec une caméra thermique. Je vais poser un capteur de présence sur le sol du chemin de ronde et je vais aussi utiliser une radio installée dans la tour des gardes en invitant un éventuel fantôme à s'exprimer à travers elle. Tout cela sous l'œil rassurant et vigilant de Didier qui ne va pas quitter son poste. Malheureusement, aucune de mes nombreuses tentatives ne sera récompensée. Didier et moi ne serons spectateurs d'aucune manifestation inexplicable, et en dehors de quelques bruits finalement parfaitement anodins et de sensations de froid tout à fait normales, je ne serai personnellement témoin d'aucun phénomène particulier. Après plusieurs heures d'enquête active et d'efforts infructueux, il est environ 3h du matin quand je vais finalement décider de rejoindre le QG et de poser mes caméras pour m'installer aux côtés de Didier afin de poursuivre, en sa compagnie, la surveillance du château. Mais là encore, rien de notable ne va se produire. Aucun élément visuel inexplicable n'apparaîtra sur notre écran de contrôle et aucun son qui aurait pu nous sembler anormal ne va retentir. Nous séjournons désormais à Vos depuis 4 jours et 4 nuits. Et pour le moment, en dehors des chuintements étranges que nous avons entendus la nuit précédente, rien de potentiellement inexplicable ne s'est produit. Si elle existe vraiment, jusqu'à présent, Lucie est donc restée très discrète. Et les fantômes du château, s'il y en a, ne sont pas très coopératifs et ne semblent pas vraiment vouloir se montrer. Un nouveau jour se lève sur Vos, et cette nuit encore, rien ne sera venu troubler notre sommeil. Le château reste donc fidèle à lui-même, et tel que nous le connaissons désormais, c'est-à-dire particulièrement calme, paisible et silencieux. Pour débuter cette nouvelle journée, j'ai décidé de m'attarder sur les enregistrements réalisés cette nuit par Victor, resté en poste dans la galerie des portraits qui se trouve au premier étage. Cet endroit dans lequel j'ai passé un long moment la veille au soir ne m'avait pas laissé totalement indifférent. Et c'est surtout là que les appareils d'autres enquêteurs avant moi auraient enregistré pendant la nuit des bruits ressemblant à des pas. Je vais donc exporter les fichiers audio enregistrés par Victor sur mon ordinateur pour mener une première analyse immédiate et voir si quelque chose de particulier a été capturé.
À ma grande surprise, je vais découvrir avec étonnement qu'aux alentours de 4h du matin, à l'heure où tous les résidents du château étaient a priori endormis, de nombreux bruits pouvant ressembler à des coups ou à des pas, à des déplacements ou à quelque chose ou quelqu'un qui fouille, ont retenti dans les lieux ou à leur proximité. Voilà ce que Victor a donc enregistré à 4h10 du matin depuis la galerie des portraits. Découvrant ces bruits, qui sont la preuve évidente d'une activité nocturne dans les lieux, je vais immédiatement penser que, comme mes prédécesseurs, j'ai peut-être, à mon tour, capturé quelque chose d'incroyable, voire de potentiellement paranormal, qui se serait produit pendant la nuit dans la galerie des portraits. En poursuivant l'écoute des enregistrements audio, cette première réaction et ce premier sentiment vont malheureusement être rapidement effacés lorsque je vais entendre les autres sons qui vont retentir, à leur tour, un peu plus tard. Il ne s'agit donc pas d'un fantôme qui se serait manifesté pendant la nuit à l'intérieur du château, mais d'animaux plutôt bruyants qui logeraient à proximité de la galerie des portraits. Cette activité nocturne, particulièrement bruyante, qui va se prolonger ainsi tout au long du reste de la nuit, n'a donc absolument rien d'inexplicable. Mais je dois bien avouer que s'il n'y avait pas eu toutes ces salves de cris, j'aurais eu du mal à expliquer la présence d'un tel raffut dans la galerie des portraits. Des animaux logeant dans une habitation peuvent être la source de nuisances sonores assez conséquentes, et leur vie nocturne peut facilement faire croire, aux moins prudents d'entre nous, qu'une maison ou qu'un château est hanté. Nous sommes arrivés lundi dernier, nous sommes vendredi, et nous quittons les lieux demain. Aujourd'hui, nous allons donc vivre notre dernière journée et notre dernière nuit à Vos. Pour partager la fin de notre séjour, cet après-midi nous allons être rejoints par deux autres personnes, et en attendant leur arrivée, nous allons nous rendre à l'extérieur du château pour découvrir un endroit, ou plutôt un élément, qui, au jour où nous nous y rendons, n'a encore jamais été montré au public, que ce soit dans les médias ou dans les nombreuses vidéos d'enquête paranormale menées ces 20 dernières années. Il s'agit d'une pierre taillée qui forme la bordure du pont qui se trouve sur le chemin menant au château, à l'endroit où coule la rivière Vos, qui a donné son nom au village et à la forteresse. Nous allons découvrir que, contrairement aux autres, ce bloc discret a la particularité d'être gravé. Et en cherchant à les lire, les inscriptions en question vont nous révéler quelque chose que je ne savais absolument pas et que je n'aurais jamais pu soupçonner. On vient de trouver donc en fait une pierre, juste là, on vient de trouver. Jérémy nous a montré une pierre qui se trouve ici, sur laquelle en fait il y a un hommage. Est écrit un hommage pour le baron Tagori de la Tour. Avec son âge de décès, 86 ans, et puis un peu son œuvre. Il était compositeur, ingénieur de l'armée, sauveteur et restaurateur du château de Vos. Et on apprend plus bas que ses cendres ont été jetées dans la rivière qui coule juste ici en dessous. Et c'est une découverte, même Jérémy, je crois, ne le savait pas. Pas moi. Et c'est très très intéressant de le savoir. Il est fort probable que nous revenions ici pour pourquoi pas voir si on peut obtenir des résultats à cet endroit là, puisque c'est ici que le baron a donc été que se trouve d'une certaine manière sa sépulture sous la forme de cendres. C'est incroyable.
Super, super découverte. En découvrant cette pierre gravée et en lisant ce qui est inscrit dessus, nous allons comprendre qu'elle rend hommage à Ephraim Tagori de la Tour, et que l'endroit précis où nous nous trouvons est en quelque sorte un lieu de sépulture et de recueillement, puisque les cendres de l'ancien propriétaire du château ont été jetées selon sa volonté en contrebas dans la Vosse. Depuis plusieurs jours, nous sommes passés à plusieurs reprises devant cet endroit sans jamais l'avoir remarqué, et nous n'en soupçonnions absolument pas l'existence. Cette pierre gravée est pourtant particulièrement intéressante et importante dans le cadre de mon investigation, puisque c'est ici que repose, d'une certaine manière, l'âme défunte de celui qui a grandement participé à faire du château de Vos le château hanté qu'il est aujourd'hui. Ce lieu de commémoration inattendu et singulier montre aussi à quel point Ephraim Tagori de la Tour était attaché à son patrimoine. Et c'est pour cette raison qu'il est fort probable que dans le cadre de mon enquête, je revienne ici avant de quitter Vos. Mais pour le moment, ce n'est pas avec l'âme de l'ancien propriétaire des lieux que nous avons donc rendez-vous, puisque nous attendons de nouvelles recrues qui vont partager avec nous notre dernière nuit d'enquête dans le château. Si ces deux personnes nous rejoignent aujourd'hui, c'est en partie parce que l'une d'entre elles aurait été témoin d'un phénomène visuel étrange apparu dans le chemin de ronde il y a à peine quelques mois. Les explications qu'elle va pouvoir nous donner sur place pourraient être particulièrement intéressantes dans la compréhension de la manifestation dont elle aurait été témoin et dans la compréhension des manifestations qui se produiraient plus généralement à Vos. Nous ne sommes plus tout seuls, moi et Didier, nous sommes désormais quatre, on a été rejoints. Sandrine, que vous connaissez peut-être, vous allez comprendre pourquoi, et sa sœur. Vous avez vécu, en juillet l'année dernière, quelque chose de particulier. Vous avez vu une apparition dans le chemin de ronde. Exact. Pour le moment, nous, on n'a rien vu, on n'a rien vécu d'aussi troublant. Maintenant, je suis là, tu vas voir. Ouais, on va voir. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille dans le chemin de ronde tout de suite? Il fait pas encore nuit. Et puis tu nous racontes, tu nous expliques. Ok, okay, ça marche. On y va tous ensemble. Oui, on te suit. Tiens, tu sais ce que tu vas faire? Tu prends le pod. Le pod, ah oui. Tu dois savoir ce que c'est. Ouais, c'est ça. On va l'emmener. Ouais. Soit tu vas faire une vraie reproduction. Ouais. Vous aviez quoi d'autre comme matériel? Le K2. Le K2. Un K2. Ouais, donc le pod avait une vraie importance ce soir-là. Alors il avait une importance, oui. Je montre où je l'ai posé. Ouais, vas-y, pose-le. En fait, pose-le là où vous l'aviez mis. En gros, par là. Ok. En gros. Ça marche. Ouais, c'était vraiment non loin de la grille, si je me souviens bien. Ou alors, j'ai plus de tête, mais c'était par là. Ouais. On était à peu près au milieu, ou peut-être légèrement là, mais c'était par là, ça c'est certain. D'accord. Voilà. Ok. Dans ce périmètre. Donc, moi j'étais là, ma soeur était à côté, ou alors elle était là, j'étais là, je sais plus, peu importe. L'autre soeur. Oui, une autre sœur. Oui. C'est trois sœurs. Ah, on fait comme ça. Comme ça. Puis d'un coup, on bloque. Puis ma chérie. Puis là, je dis à ma sœur, mais attends, mais. Tu vois, en gros, tu vois le truc que je vois là-bas, elle fait, mais oui. En clair, on n'hallucinait pas du tout, tu vois. Et une espèce de forme, comme j'avais expliqué dans la vidéo, justement, dans laquelle je suis, ça fait comme une espèce de petit foulard qui se balance comme ça, vaporeux, comme s'il y avait un petit vent derrière qui le balançait. C'était comme ça. Grand ou comme non, ce que tu me montres? Non, c'était en clair, ça faisait comme ça. J'ai l'impression de voir une forme, non? Oui, moi aussi. Oh putain, ça fait peur. De quoi? J'ai vu comme une forme blanche au fond. C'est pas vrai. Je te jure aussi. Arrête. Je me suis dit, c'est quoi ça? Attendez, je vois. Vu, toi, moi, je l'ai vu. Lucie, tu es là? Et donc, tu le voyais où? Au niveau du pod, puisque le pod, donc, nous, il était allumé. Il émettait une petite lumière rouge. Donc, du coup, l'apparition qu'on a vue était légèrement orangée. Voilà, grosso modo, par là, exactement. Attends, je ne sais pas si c'est mes yeux ou s'il y a vraiment quelque chose. Mais ça, putain, si, c'est en train de dire... Regarde! Oh, putain! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Si, ça bouge au fond! Oui, je la vois. Oh. Je vois. Waouh! Mais c'est extraordinaire! Putain, on assiste là. Mais oui! Putain, mais on voit pas sur la caméra. Est-ce qu'il y avait du vent? Non. Un petit peu? Non. Pas du tout, du tout. Pas du tout. Le matin, il y a eu un orage. On arrivait à 11h du matin. Et le soir, la tombée de la nuit, des nuages.
des nuages. Ou à un moment où on a pu donc capter. On voyait rien. C'était très sombre. Ah, c'était très sombre. D'accord. Par contre, à 3h du matin, quand on y remontait, il faisait encore plus sombre. Alors pourtant, entre minuit et pas de lune. Alors en fait, la lune n'éclairait rien. Donc l'importance de la lune dans cette histoire est inexistante. On était un petit peu déçus. Alors quand à un moment donné, on allait dehors, on l'a vu, donc on a pu la filmer en la zone. On dit, ah, c'est beau et tout. C'est peut-être pour ça qu'on a beaucoup de résultats. C'est la pleine lune ce soir. Regardez. Je sais pas si vous la voyez. Voilà, c'est la pleine lune. En enquête, elle est malheureusement... Alors après, la lune peut aussi se retrouver à découvert par moment. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un trou dans les nuages, la lune passe, voilà. Sauf que là, tel que c'était, ce n'était pas possible. Ok. De toute façon, ce soir, on passe la soirée ensemble. On va essayer de revivre ça. J'aimerais bien le voir. Et l'Oka 2, on n'en parle pas, donc c'est déclenché, donc ça, on s'en fout. Oui. Ouais, viens avec moi, Didier. On peut nous suivre. Hein. Donc eux, en gros, ce qu'ils ont vu, c'était ici. C'était ici. Oui. C'est là où je me trouve, c'est-à-dire au milieu du chemin de ronde. Ah, une vasistas ? Ouais. Et il y en a un, et il est ici, et nulle part ailleurs dans le chemin de ronde. Est-ce qu'il peut avoir un lien, ce vasistas, avec ce que vous avez vu ce soir-là ? Ah putain, j'avais pas vu celui-là. Il est pile poil au-dessus, oui, il est penché. On l'aurait vu plus longtemps. Là, ça disparaît. Non, tu sais pourquoi ? Je t'explique. Imagine la lune, les nuages s'en vont, la lune apparaît, crée un truc. Le cèdre est juste là. Vas-y, n'hésite pas. Regarde. Ouais. T'as le cèdre. Donc pour peu, ça fait pas. Donc pour le coup, ça te fait pas une forme forcément rectangulaire et ça te projette quelque chose d'un peu plus. Ouais, au vu de la vie. Je ne sais pas. C'est juste que je me rends compte que cette chose est là et pas ailleurs dans le chemin de ronde. C'est pas l'explication. On la tient pas. Hein. Vu, si quelque chose est projeté contre un mur, ouais. T'as pas le sentiment qu'il est. Contre le mur, tu vois une lumière et tu as l'impression que c'est dans le prolongement du couloir. Ouais, tout à fait. Tu nous as expliqué que c'était au milieu du couloir, finalement, quasiment. Ça pourrait. On a cette chose-là qui est seulement présente. Qui ? Ouais, ce soir-là, c'était pleine lune. Non, la lune était derrière les nuages, à ce moment-là. Mais les nuages peuvent se dissiper. Tout à fait. On le voit, puisque Moïse filme un moment, on voit très bien la lune. Ouais, et c'était plus tard, il devait être 3 ou 4 heures du matin. Ça peut bouger. Enfin, c'est pas un nuage, c'est pas des nuages comme on a en ce moment, un ciel si beau. Non, c'est sûr. Ça, c'est le Velux donc, qui se trouve au milieu du chemin de ronde et qui se trouvait aussi au-dessus de l'endroit où était, quasiment l'endroit où était posé le pod pendant l'enquête qu'a menée Sandrine il y a maintenant presque un an, mais enfin bon, 9 mois. Et en fait, on se rend compte que la Lune, quand ils ont mené leur enquête, n'était pas dans le bon angle finalement, a priori n'était pas dans le bon angle pour pouvoir éclairer ce Velux et projeter une lumière à l'intérieur du chemin de ronde. Donc voilà, une fois de plus, on pense avoir un début d'explication et finalement, on se retrouve face à nouveau à l'inconnu et l'incompréhension. Très difficile de savoir ce qui a pu se passer, d'avoir une réponse, c'est-à-dire qu'elle soit paranormale ou pas. Mais bon, on va continuer d'investiguer en espérant nous-mêmes être, à un moment ou un autre, témoins du phénomène. Si à cause de son orientation vers l'ouest, la théorie du Velux tombe à l'eau, je vais découvrir plus tard que celle de la pleine lune reste tout de même tout à fait plausible. En effet, après vérification, contrairement à ce que nous explique Sandrine sur place, aux alentours de minuit, heure à laquelle ils auraient vu une apparition, le ciel était relativement dégagé et la pleine lune parfaitement visible. Ok. Oh mon dieu, regardez-moi cette vue, les amis. Incroyable. Vraiment incroyable. Attendez, je vais essayer de vous faire un petit zoom, mais... Et avoir cette lune, ce soir-là, c'est juste magnifique. Le 24 juillet 2021, la pleine lune était donc assez proche de la Terre, particulièrement basse et très éclairante. Et si l'on en croit les vidéos tournées cette nuit-là, le ciel, malgré la présence de quelques nuages épars, était d'une manière générale plutôt dégagé. Aux alentours de minuit, la lune se trouvait en direction de l'est-sud-est et elle éclairait donc la partie du château orientée dans cette direction. Une partie éclairée qui comprend le chemin de ronde, dont l'enceinte extérieure était forcément exposée au rayonnement lunaire. On pourrait donc parfaitement imaginer qu'aux alentours de minuit et demi, ce rayonnement ait pu traverser les nuages et passer à travers une des 5 meurtrières qui se trouvent sur la façade du chemin de ronde, créant temporairement un artefact lumineux ou une zone éclairée que les personnes présentes dans la tour des gardes auraient pu distinguer et prendre pour une apparition fantomatique. Bien évidemment, il s'agit d'une simple hypothèse.
Et pour la vérifier, il faudrait pouvoir observer le chemin de ronde depuis la tour des gardes un soir où la pleine lune serait présente d'une manière similaire et dans des conditions météorologiques équivalentes à celles du 24 juillet 2021. D'ailleurs, il est intéressant de constater que quand France Inter et TF1 sont venus en août 1984, tout comme pour Sandrine et son groupe plus récemment, non seulement la lune était pleine, mais Vos avait aussi connu de fortes précipitations le jour même. Il avait énormément plu. Le matin, il y a eu un orage. On arrivait à 11h du matin. Il faisait sombre. Et on a eu des trous ensoleillés pendant lesquels on a profité pour faire les plans de drone, en fait. En son temps, Ephraim Tagori de la Tour a toujours prétendu que pour que Lucie soit visible, il fallait certaines conditions, et notamment que le chemin de ronde du château soit éclairé depuis l'extérieur, par des spots ou par la pleine lune. Dans le cas des apparitions qui auraient été aperçues par deux fois, en août 1984 et en juillet 2021, peut-être qu'en plus de la présence d'un fort rayonnement lunaire, un taux d'humidité dans l'air élevé et des températures estivales ont aussi eu un rôle à jouer. Malheureusement, c'est une vérification que nous ne pourrons pas faire ce soir, puisque la présence d'une pleine lune visible et lumineuse n'est absolument pas prévue, et que les conditions météorologiques ne sont absolument pas les mêmes. C'est donc dans une nuit noire et sans lune, éclairée par la lumière de nos torches, que nous allons démarrer notre soirée d'enquête en nous rendant auprès de la pierre commémorative servant d'hommage à Ephraim Tagori de la Tour. En nous rapprochant du pont sous lequel coule la Vosse et où ont été jetées les cendres de l'ancien propriétaire des lieux, nous allons vite nous rendre compte que l'écoulement incessant de la rivière devenu très audible dans le silence de la nuit crée une pollution sonore importante, et que le brouhaha de l'eau et le bruit des cailloux qui s'entrechoquent continuellement en contrebas instaure une atmosphère très particulière à l'endroit où nous nous trouvons désormais. Oui, mais en fait, je me dis que même si, au niveau du son, effectivement, c'est un peu problématique, on va venir rendre hommage au baron. Voilà. Peut-être que ça l'incitera à venir nous rejoindre un moment ou un autre de la soirée, on ne sait jamais. On va l'inviter à nous rejoindre. C'est là, regardez. Parce que vous ne l'avez pas vu encore. Non. Donc là, on est tous les quatre à l'endroit où a été posée une pierre en hommage au baron Tagori. Pierre sur laquelle il y a différentes informations qui concernent son décès, sa vie, son œuvre, et qui explique et qui indique que les cendres du baron ont été jetées là, où coule une rivière juste en dessous. Ces cendres ont été dispersées à cet endroit-là. Et là, on a la rivière en question. Alors, monsieur Tagori, on est tous les quatre ici réunis pour vous rendre un. Oh, purée, j'ai frissonné moi là. C'est génial parce qu'elle était là depuis le départ. Ouais. Tu l'as vu toi? Tu l'as vu? Oui. Merde, j'ai pas vu. Ça vous a pas surpris? Bah, comme par hasard, ça m'a coupé. Enfin, je m'attendais tellement pas, ça m'a coupé. Donc c'est une chouette qui vient de décoller. Hein. Ce qui est marrant, c'est qu'elle était là avant. Enfin, c'est comme si elle nous attendait. Oui, non, c'est pas ce qu'on nous demande. Mais dès que tu commences à prendre elle s'envole. C'est ça? Ouais, c'est un chouette coïncidence. Ouais. Vu le contexte dans lequel nous nous trouvons à ce moment-là, ce qui vient de se produire était tellement brusque et inattendu que j'en ai sursauté d'effroi. Une peur qui va tout de suite disparaître, puisque cet événement n'en soit rien de particulièrement extraordinaire. Sandrine va toutefois immédiatement s'étonner du fait que cela arrive au moment précis où je sollicite pour la première fois l'ancien propriétaire du château de Vos à proximité de sa sépulture, y voyant autre chose qu'une simple coïncidence. Pour ma part, sur le moment pensant qu'il s'agit d'un coup du hasard, je ne vais pas m'en étonner plus que de raison, et je ne vais donc absolument pas m'attarder sur cet événement a priori anecdotique. C'est seulement plus tard, quelques semaines après mon séjour à Vos, lors d'échanges téléphoniques, que cette histoire d'oiseau va soudainement prendre une toute autre dimension.
Mes interlocuteurs vont en effet me raconter une drôle d'anecdote concernant le jour des obsèques de l'ancien propriétaire du château de Vos. Le jour de mort de son père, on était sur enterrement et il y a Hibou qui a rentré dans le château. Elle est rentrée dans notre chambre. Quand on a fait les obsèques, le jour même, le soir même, on a versé les cendres dans cette rivière, dans le chemin du château, là, sur le côté gauche, je crois. On allait donc se coucher dans la chambre. Et dans le chemin, dans le couloir, il y avait une chouette qui était là, qui nous attendait devant la porte. Et moi, je suis allé plusieurs fois dans le château, hein, quand je faisais partie un peu de la famille. J'ai jamais vu de chouette. C'est la première fois que je voyais une chouette à l'intérieur du château, du moins. Alors, c'est impressionnant. Une belle chouette, hein, elle était posée, là. C'était un gros truc, hein. Ça devait faire, je sais pas, 30 cm de haut, quand même. Hein. C'était plein de petites, hein. Posée là, et tout était fermé, hein. Toutes les fenêtres étaient fermées. Par où elle était rentrée, d'où elle venait, je sais pas. Le jour des obsèques d'Ephraïm Tagori de la Tour, le soir où ses cendres ont été jetées dans la Vos, là où se trouve la pierre commémorative qui lui rend hommage, fait rarissime qu'il ne s'est jamais produit, un hibou ou une chouette a été trouvé à l'intérieur du château. Et aujourd'hui encore, la famille et les amis du défunt s'étonnent de cette étrange coïncidence. En effet, il faut savoir qu'à Vos, la chouette a un lien très particulier avec la forteresse et avec les Tagori de la Tour. Elle est souvent associée au fantôme de Lucie et elle a même sa propre légende, et c'est pour cette raison qu'un spécimen empaillé a été installé dans la salle des gardes. On connaît l'histoire de la chouette, histoire extraordinaire, émouvante et aussi troublante. Étrange en vérité cette histoire de chouette qui aurait traversé les siècles pour venir mourir il y a quelques années seulement au pied d'une des tours du château. On voit cette Fabiola, c'est-à-dire notre fantôme Lucie, sur le fond du château, on voit l'oiseau de Neuilly, on voit le fond du château avec escalier. Dans le donjon, une chouette ulule, et si c'était le fantôme de la chouette? Aux côtés du fantôme de Lucie, la chouette a donc elle aussi sa place dans le folklore qui entoure le château de Vos, et l'anecdote qui m'a été racontée au téléphone au sujet du volatile trouvé à l'intérieur du bâtiment le soir des obsèques de Monsieur Tagori va forcément donner un sens nouveau à l'envol auquel nous avons assisté au moment où je m'adresse à lui aux abords du lieu servant à commémorer sa mémoire. Il s'agit peut-être là encore d'une apophénie, et ce n'est pas très rationnel. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer que ce que j'ai d'abord considéré comme étant un simple hasard pourrait peut-être avoir finalement une véritable signification, et que, comme l'avait immédiatement suggéré Sandrine, la présence de cet oiseau ce soir-là et sa brusque intervention au moment où je m'adresse à Ephraïm Tagori de la Tour n'était peut-être pas une simple coïncidence. Pendant plusieurs semaines, je vais donc avoir cette idée en tête, pensant que nous avions peut-être effectivement vécu quelque chose d'un peu étrange ce soir-là. C'est seulement beaucoup plus tard, lors de l'analyse des enregistrements, que je vais découvrir que quelque chose ne colle pas. Alors, Monsieur Tagori, on est tous les quatre ici réunis pour vous rendre un... Si sur l'instant nous avons tous pensé que c'est une chouette, ou peut-être un hibou qui a pris son envol, je vais me rendre compte que ce n'est peut-être pas le cas. En effet, à moins d'avoir voulu nous intimider en faisant du bruit, grâce à leurs plumes et à leur anatomie, les rapaces nocturnes ont un vol silencieux qui ne génère pratiquement aucun son lorsqu'ils décollent, battent des ailes ou atterrissent. Je n'en ai pas la certitude, mais ce que nous avons entendu lorsque nous nous trouvions sur le pont au-dessus de la Vos serait donc beaucoup trop bruyant pour qu'il puisse s'agir d'une chouette ou d'un hibou, et ce qu'a vu Didier serait très vraisemblablement autre chose. Finalement, après avoir pensé avoir vécu une étrange et singulière coïncidence forte de sens, il semblerait que nous ayons juste été témoins de l'envol d'un oiseau dérangé par notre présence que mon interpellation aura tout simplement fait fuir. Donc monsieur le baron, on est réunis tous les quatre dans votre château, en tout cas ce château qui vous a appartenu pendant de nombreuses années. Pour des raisons que vous connaissez, nous sommes venus rencontrer Lucie, ou en tout cas son fantôme, et puis essayer de voir cette apparition que vous disiez voir régulièrement. Peut-être que vous pourriez nous aider ce soir à notre tour, nous aider pour qu'on soit à notre tour ce soir témoin de ce phénomène. Beaucoup de gens en doutent, et je ne vous cache pas que personnellement, tant que je n'en serai pas témoin, je pense que je douterai. Peut-être que vous auriez la possibilité de nous aider, de m'aider à voir ce phénomène à mon tour. Donc je ne sais pas de quelle manière vous pourriez éventuellement intercéder pour nous, mais si c'est possible, écoutez, merci d'avance pour peut-être l'effort que vous ferez en soit en nous rejoignant,
pendant la soirée, la nuit que nous allons passer ici, soit en faisant en sorte peut-être que quelque chose se produise et qu'on en soit témoin tous les quatre. Merci d'avance. Quel bruit ? Comme quelqu'un qui parlerait ? Non. Des cailloux qui s'entrechoquent. Tu les entends aussi ? On a l'impression qu'un... Je pensais que c'était un animal. Mais pas dans l'eau, ça vient de plus loin. Je sais pas, j'ai entendu ça aussi tout à l'heure. Mais on l'entend. Comme si tu prends des cailloux et tu fais ça. Exactement. Clac. C'est ce qui m'a attiré. Ouais. Moi, je n'entends pas de là, je l'entends de là-bas. Plutôt par là-bas. Pas de là. Et là, je n'entends plus. Monsieur le baron, est-ce que vous auriez envie de nous montrer, de nous emmener jusqu'au chemin de ronde ce soir pour nous montrer Lucie ? Comme vous l'avez fait, j'imagine, des dizaines et des dizaines de fois pendant que vous habitiez dans le château, avec de nombreux visiteurs. Et moi, je viens de voir un truc là-bas, mais c'est peut-être une torche. C'est ma torche qui me passait. Ah, c'est ça. Et j'ai entendu des cailloux. Ouais, j'ai entendu les cailloux à nouveau. Mais peut-être que la rivière est suffisamment forte pour déplacer les cailloux. Tu penses que c'est possible, Didier ? C'est un tout petit cours d'eau. Hein. De là, je sais pas, il me semblerait qu'il y a plutôt une petite chute, tu vois. Et ça peut être aussi le bruit. Oui, mais une fois qu'un caillou est posé, il est posé. Enfin, oui, il bouge non, plus. Mais l'eau n'apprend jamais le même chemin. Donc au bout d'un moment, ça finit par devenir. Un point sur un point particulier, une chute d'eau, un claquement d'eau, si tu veux. Ok. Plus qu'un... J'ai encore entendu. Monsieur Tagori, est-ce que vous voulez bien être notre guide ce soir ? Est-ce que vous pourriez nous faire un signe, là maintenant, je ne sais pas lequel, pour nous dire que vous allez nous conduire jusqu'à Lucie ? Monsieur le baron, est-ce que vous pouvez nous faire un signe ? Est-ce que vous pouvez nous conduire jusqu'à Lucie ? Je ne sais pas si l'ancien propriétaire du château a entendu mes appels, ni s'il nous a rejoints. Mais en dehors de cet oiseau qui a pris son envol, nous n'allons absolument rien remarquer de particulier. Et nous allons donc finalement quitter les lieux. Sur le trajet, Sandrine et Delphine vont nous raconter qu'elles ont eu l'occasion de visiter le château de Vos à plusieurs reprises avec leurs parents lorsqu'elles étaient enfants. Les deux sœurs vont ainsi nous expliquer qu'Ephraïm Tagori de la Tour en personne avait eu l'occasion de leur servir de guide. Et une fois revenues dans l'enceinte de la forteresse, elles vont nous montrer où et comment étaient organisées les visites touristiques proposées en journée dans les années 90. Par où y passer pour emmener les gens à la tour ? Le soir. Ah, t'as pas fait de visite de soir, toi ? Non, mais on l'avait visité la journée aussi. Tu l'as connu, toi, le baron Tagori ? Ah oui, vous l'avez connu. Quand on était petite. Oui, il nous recevait là-bas et il nous faisait visiter. On y allait un paquet de fois. Les parties qui sont aujourd'hui privées, qui sont annoncées. Il y avait les siennes un peu. Je sais pas trop où il habitait, mais bon. On passait par là. La galerie des portraits, la galerie des armes, bien sûr. Toutes les pièces qui sont. En enfilade, là, qui partent de la galerie d'armes. Et on montait, et ben, le chemin qu'on empruntait, c'est-à-dire l'escalier qui monte aux chambres et qui va à la tour après. Il n'y a qu'un passage, c'est celui-ci. Et on l'a vu un paquet de fois, puisque... Ouais. Ah, donc vous passiez par le couloir, on ah, a nos chambres. Ah, mais complètement, il n'y a pas d'autre... Donc il y a des centaines de personnes qui sont passées là. Ouais. C'est fou, hein, quand ils pensent. Et nous, on y est passé quelques fois, mais moi, je me souviens... Enfin, j'étais petite, hein. Même adolescente. Et vous n'avez pas fait de visite de nuit ? Non. Avec l'apparition et tout ça ? Est-ce qu'on est d'accord qu'on ressent beaucoup plus le froid ici ? Oui, il y a des courants. Là, il y a un courant d'air. Là, il y a du vent. Beaucoup plus. Moi, j'aime, ça me frigorifie. Oui, là, il y a du vent. Par rapport à... Il faisait meilleur au bord de l'eau. Oui, ouais. Tout à fait. Là, il y a un courant d'air. Est-ce qu'il y a un fantôme qui nous suit ? Peut-être.
Donc j'imagine que le baron Tagori attendait les gens ici. Alors le portail était ouvert, des fois il attendait là effectivement, mais bien souvent il était posté ici. C'était sur rendez-vous les visites ou à certaines heures? Non, c'était toute l'année sauf l'hiver, me semble-t-il. Ah, c'est-à-dire, et en fait, lui, il attendait là que des gens arrivent pour. Oui, les week-ends, il se mettait là, il y avait un pupitre, et puis il recevait les gens, il les faisait payer, il leur donnait un ticket. Et dedans, il les faisait attendre dans la cour avant la visite. Voilà, ça, je me souviens pas très bien. D'accord. Quoi qu'il en soit, monsieur Tagori, nous sommes à l'endroit où on est prêt pour la visite. Alors, pas tant la visite, là, on est là pour une visite nocturne, on est venu voir Lucie. Est-ce que on peut y aller? Est-ce que vous êtes prêt à nous accompagner? Vous avez entendu? Non. Elle ne marchait pas jusqu'à maintenant, l'horloge. Elle vient de démarrer, là. J'ai absolument pas fait attention. Ah si, elle ne marchait pas. C'est vrai que je n'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe non plus. Moi, c'est pas ça. J'ai entendu une espèce de vroom, comme un bruit de quelque chose qui... un bruit de choses qui tomberait quelque part dans les bâtiments. Oui, mais au même moment... Tu l'as entendu, ça? Parce que je dis justement, au même moment, ça s'est remis à redémarrer. On le saura, hein. Le son est fort, la caméra l'aura enregistré. Voilà. Ah, il suffira de vérifier. Mais elle ne marchait pas. Mais je ne sais pas, parce que c'est... C'était calme, cette pièce. Et là, on l'entend, si on fait du calme, on l'entend, elle. J'ai pas fait attention. Moi, c'est surtout que j'ai entendu, avant que tu dises ça, j'ai entendu une espèce de petit capharnaüm. Vous avez rien entendu, vous? Ben si, au même moment. Ah, tu l'as entendu, toi? J'ai entendu. Et ça venait d'où, toi, le capharnaüm, de par là-bas? J'arrive pas à me rendre compte, mais au même moment, j'ai tout la tête et j'ai entendu ça. J'ai pas entendu. Ok. Donc, okay. C'est enregistré, hein. Mais ça véridique, elle marchait pas tout à l'heure. Quand on est rentré, on l'aura entendu. Bon, on vérifiera. Je peux pas le dire. On vérifiera. Je fais deux doigts de vérifier maintenant, mais ça va être compliqué sur la caméra. Ouais, non. Parce que le son est trop faible, il faudrait au casque. On verra. Qu'est-ce que vous entendez? Oui, mais là, c'est le moment où j'ai dit que j'avais entendu quelque chose. D'un coup, il y a eu le silence, et là, tu as été beaucoup plus... Ouais, on rationalise. Non, je rationalise. Je suis en train de le faire. Ce soir, exceptionnellement, je me suis promis d'éviter de trop rationaliser afin de laisser le plus de place possible à la subjectivité et aux interprétations empiriques. Et je vais donc préférer me taire. Pourtant, j'ai déjà une petite idée de ce qui vient de se produire, à l'instant, dans l'orangerie. Sandrine en est totalement convaincue. Pour elle, l'horloge fixée au mur était à l'arrêt et se serait mise en route au moment exact où j'ai moi-même cru entendre un bruit. En ce qui concerne d'abord ce son, qui n'est absolument pas audible sur les enregistrements, il s'agissait très probablement d'une simple erreur de perception de ma part. En ce qui concerne l'horloge, comme je l'ai pensé sur place en quittant l'orangerie, le tic-tac qu'elle produit est tout simplement devenu plus audible quand nous nous sommes retrouvés dans le silence complet. L'attention de Sandrine s'est donc tout naturellement portée sur le bruit des aiguilles, et elle s'est tout simplement convaincue et aura aussi un peu voulu nous convaincre que l'horloge s'est mise en route à ce moment précis. Après vérification, cette explication est forcément la bonne, puisque l'horloge, qui marquait 22h29 au moment où nous sommes intéressés à elle, était bien à l'heure, et qu'elle fonctionnait déjà parfaitement lorsque nous sommes entrés dans l'orangerie. Il ne s'est donc absolument rien passé d'extraordinaire, et Sandrine a juste été victime de ses sens et d'une forme d'auto-persuasion. Nous allons ensuite poursuivre notre enquête et notre visite des lieux en nous rendant d'abord dans les caves de la forteresse. Mais en dehors de l'atmosphère oppressante qui se dégage de cet endroit et en dehors de cadavres d'animaux flottant dans la réserve d'eau souterraine qui s'y trouve, nous n'allons absolument rien remarquer de particulier. Nous allons donc rejoindre la surface pour déambuler dans une partie aujourd'hui non habitée et non utilisée du château, tout en sollicitant continuellement d'éventuels esprits, fantômes ou entités qui pourraient tenter les lieux. Mais là encore, nous n'aurons aucune réponse. Et rien d'anormal ne va se produire. Nous allons donc finalement rejoindre la partie du bâtiment où se trouve notre QG, et où se trouve surtout le chemin de ronde où est censée apparaître Lucie. C'est là que nous allons poursuivre notre enquête de ce soir, en espérant être enfin témoin de cet incroyable phénomène qui a fait la célébrité du château de Vos.
Andy reste là au QG pour noter tout ce qui pourrait se passer. Je me rends avec Sandrine et Delphine dans le chemin de ronde. On va essayer d'être au rendez-vous. Bon, je parle du rendez-vous de Lucie, même si je ne sais pas si Lucie existe. En tout cas, on va essayer de la voir. On va se dépêcher parce qu'on risque d'être en retard. Je vous laisse passer devant, tiens. À tout à l'heure, Didier, bon courage. Décalé, toi si tu veux. Moi, je peux me mettre là, tu me dis si ça gêne ou pas. Ça te gêne ou pas? Alors par contre, ouais, je vois rien du tout. Je te vois toi. Ok, je vais me pousser. Ce que je vais faire, juste. Je dois couper cette caméra pour être sûr de voir, parce que là, ça m'empêchera vraiment de voir quoi que ce soit. Donc je coupe la caméra qui filme mon visage. Que c'est bon pour toi? Moi, c'est bon pour moi. Pardon. Il faut éteindre la torche. Oui, éteindre la torche, c'est fini. Attends. Donc, tu vois l'éclairage qu'on a mis en place? Tout à fait. C'est bien. Oui. Est-ce que c'est bon pour moi? Ouais, c'est ok. Attends. Il y a un courant d'air de ouf ici. Ah, c'est terrible. Moi, j'ai passé un long moment hier soir. Ouais, mais là, il y a l'escalier, là. Oui, c'est difficile. Enfin, je... Pardon. Bienvenue dans Bixby. Désolée. C'est quoi ça, Bixby? C'est quoi? Vous l'avez entendu ou pas? Oui, ça fait un ou. Ouais. Oui, je l'ai entendu, je l'ai pas entendu. Didier, est-ce que t'as entendu un ou? Didier n'a rien entendu. Moi, je l'ai entendu. Pour respecter le rituel établi par Ephraim Tagori de la Tour, je viens de faire jouer les 12 coups de minuit avec mon téléphone portable. Et malencontreusement, en voulant par la suite l'éteindre, je vais lancer une autre application par erreur. Forcément, cette bourde, que je vais immédiatement réparer en fermant mon téléphone, va tous nous amuser. Et c'est à ce moment-là, au milieu de nos ricanements, qu'un son va retentir et se démarquer, attirant mon attention et me faisant immédiatement reprendre mon sérieux. Bienvenue dans Bixby. Oui, ça fait un ou. Ouais. Oui, je l'ai entendu. Désolé. C'est quoi ça? Vous l'avez entendu ou pas? Oui, ça fait un ou. Ouais. Bienvenue dans Bixby. Désolé. C'est quoi ça? Vous l'avez entendu ou pas? Oui, ça fait un ou. Ouais. Oui, je l'ai entendu. Moi, je l'ai pas entendu. Didier, est-ce que t'as entendu un ou? Didier m'a rien entendu. Moi, je l'ai entendu. Moi aussi. Ce son, qui ressemble à un gémissement ou à une voix qui marmonne, pose véritablement question.
Il est certain qu'il ne provient pas de mon téléphone que je viens d'éteindre, et les seules pistes rationnelles qui pourraient expliquer sa présence seraient soit celle du cri d'un animal ou d'un oiseau à proximité, soit celle d'un bruit gastrique ou guttural émis par l'un d'entre nous. Mais comme rien ne permet de déterminer si l'une de ces hypothèses est vraiment la bonne, ce son qui a retenti dans le chemin de ronde juste après que les 12 coups de minuit aient sonné reste une énigme. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que tout comme ce que nous avons entendu il y a 2 soirs, ce bruit ressemble lui aussi à un gémissement humain plutôt féminin. Quoi qu'il en soit, comme nous sommes seulement 2 à l'avoir perçu et que Didier va m'indiquer n'avoir rien entendu, pensant qu'il s'agit de quelque chose d'anecdotique ou d'une erreur de perception de notre part, je ne vais pas donner plus d'importance que cela à ce qui vient de se produire. Et nous allons donc poursuivre notre observation comme si rien ne s'était passé. Didier n'a rien entendu. Moi je l'ai entendu. J'ai pas entendu. Lucie, est-ce que vous êtes là? Il y a un courant d'air froid glacial. Ouais. Si on se présentait, qu'est-ce que t'en penses, Guillaume? Ouais, vas-y. Bonsoir. Je suis Sandrine. Si vous vous souvenez bien, j'étais là l'été dernier avec une autre équipe. Et vous êtes apparue. Sous mes yeux, entre autres. Alors, j'ai dit vous, mais je ne sais pas qui vous êtes. Lucie, Barantagori, peu importe. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, réapparaître l'espace d'un instant afin qu'on vous voie, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Lucie, moi je m'appelle Guillaume et ça fait plusieurs soirs depuis le début de la semaine que je viens ici dans l'espoir de vous voir, de vous rencontrer, de passer un moment avec vous. Et malheureusement jusqu'à présent, ça ne s'est pas passé. Je pars demain, donc c'est le dernier soir. Attendez, chut. C'est le dernier soir où je vais avoir la possibilité de vous rencontrer. Je suis venu pour vous, j'ai passé du temps ici pour vous. Alors je vous le demande, s'il vous plaît, manifestez-vous. S'il vous plaît. Avec moi, il y a donc Sandrine et puis il y a aussi Delphine, sa sœur, qui est venue pour la même raison, vous rencontrer, vous voir. Notre démarche est bienveillante. Lucie, ou la personne qui se promène, a priori, régulièrement dans ce chemin de ronde du château de Vos, est-ce que vous êtes avec nous? Ça enregistre ta caméra? Oui.
Peut-être qu'il y a un loup qui devrait se mettre tout au fond. Oh, le courant d'air. Ouais, c'est clair. Oh là là. C'est ça qui est terrible, parce que ça te fait un coup de froid. Lucie, êtes-vous là? Je vais essayer de te regarder. Peut-être comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chemin de ronde ce soir? Espérant tous les quatre être témoins de l'incroyable apparition qui est censée se produire dans le chemin de ronde, Sandrine, Delphine et moi-même allons longuement interpeller, observer et expérimenter dans les lieux sous la surveillance attentive de Didier qui ne va pas quitter son poste un seul instant. Immergés dans l'obscurité et le silence, nous allons arpenter les lieux pendant près de 2 heures, multipliant les tentatives de contact, tentant soit de comprendre pourquoi et comment des apparitions ont lieu, tentant soit de provoquer d'éventuelles manifestations. Mais malgré tous nos efforts et malgré toute la concentration dont nous allons faire preuve, nous n'allons trouver aucune réponse et rien de particulier ou d'inexplicable ne va venir nous surprendre. Aucun événement étrange ne va se produire. Aucune manifestation lumineuse ni aucun phénomène visuel ne va apparaître et aucun d'entre nous ne verra Lucie. À la longue, le froid, l'inconfort et l'absence de résultats vont finalement l'emporter sur notre patience et sur notre volonté. Et pour ma part, après avoir passé plusieurs nuits à attendre pendant des heures et sans succès le fantôme du château, je vais devoir me faire une raison. Ce soir encore, je n'aurais pas été témoin de l'incroyable manifestation visuelle, pourtant si régulièrement observée à Vos depuis le début des années 80. Il est donc presque 2h du matin quand nous allons prendre la décision de quitter le chemin de ronde, mettant un terme à notre surveillance dans cette partie du château. Pour autant, cette soirée d'enquête n'est pas encore terminée, et comme nous sommes nombreux, j'ai proposé à Delphine, Sandrine et Didier d'en profiter pour expérimenter une séance de spiritisme dans une des pièces du château. Ils vont tous les trois très volontiers accepter, et nous allons donc nous installer dans un des salons du rez-de-chaussée, là où Sandrine, il y a quelques mois, et là où d'autres enquêteurs avant nous, auraient réussi à rentrer en contact avec des esprits lors de séances similaires. Pour que nous soyons dans les meilleures conditions possibles, et que nous ne souffrions pas du froid, je vais installer un chauffage d'appoint au gaz dans la pièce en direction des 4 chaises sur lesquelles nous allons nous asseoir, et qui encerclent le guéridon que j'ai emmené pour l'occasion. C'est donc à une séance de table tournante que nous allons désormais nous adonner. Toutefois, et je pense que vous allez le comprendre, le fait de se retrouver tous les quatre dans un endroit chauffé, chaleureux, accueillant et agréable après être resté concentré pendant plusieurs heures debout dans l'inconfort, l'obscurité et le froid à interpeller des fantômes va faire que l'ambiance générale au sein du groupe que nous formons est à ce moment-là particulièrement conviviale. Et parce que nous sommes tous dans un état de relâchement et de détente palpable, la séance de guéridon que nous nous apprêtons à mener va prendre une direction totalement inattendue et improbable qui n'était absolument pas celle que j'avais imaginée. C'était génial. Avance-toi. Pourquoi? C'était un cadeau. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je pense. Ah, il est parti dans le... Qu'est-ce qui se passe? Il est parti dans le traité. Vas-y, avance-toi. Refais-le. T'es censé faire quoi, là? Ah, encore un truc comme ça. Montre-moi. Montre-moi. Fais voir. Mais faites-vous
Alors que nous devrions normalement tous être plutôt stressés et inquiétés par l'expérience spirit que nous nous apprêtons à mener dans un château hanté, nous sommes au contraire plutôt décontractés, et la situation a même totalement dérapé puisque nous sommes désormais victimes d'une crise de fou rire générale. Si j'ai évidemment une grande part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer, c'est avant tout parce que nous sommes fatigués et que nous avons tous besoin de décompresser que les choses ont pris cette dimension incontrôlable. Et il est fort probable que la situation aurait dégénéré de la même manière à un autre moment pour n'importe quelle autre raison absurde. Dans le cas présent, c'est l'utilisation que va faire Delphine d'un plaid peau de zèbre appartenant à la propriétaire du château et la courte vidéo que je vais en faire avec mon téléphone qui sont à l'origine de cette contagieuse rigolade dont nous allons avoir beaucoup de mal à nous débarrasser. C'est ta faute en fait. En personne ne fait rien pour. Donc je vais juste. Non, en fait, il faut que je précise quelque chose parce que on veut le faire très sérieusement. Malheureusement, il est un peu tard, on est fatigué et on vient de se faire un fou rire sur une bêtise. Et on a du mal à se. Oh, il a craqué. On a du mal à s'en détacher, ce truc-là. L'ambiance est un peu spéciale. On veut le faire, mais c'est. C'est une bêtise. T'es à l'origine de tout, mais oui, c'est une bêtise. Tu vas lui dire ma bêtise. Qu'on montrera peut-être à l'entrée. D'ailleurs, bon, bah écoutez, voilà l'image en question. Bonne chance. Refais-le. T'es censé faire un coup à la main. Refais-le. T'es censé faire un coup à la main. Dans une heure, on y est encore. Hein. Oui. Non, mais je chasse l'image parce que c'est. Oui, oui. Pourquoi c'est mouillé par terre avec la bavée? Non. Est-ce que, ça se trouve, on ne sait pas, on est en train de vivre des sortes d'expériences, pas de méditation, mais d'expériences. Ça fait peur, c'est moi qui rigole. Ça se trouve, on vit une expérience mystique. Un fou rire nerveux totalement incontrôlable peut survenir à n'importe quel moment, et bien souvent lors de situations où l'on n'est justement pas censé rire. C'est typiquement ce que nous sommes en train de vivre, et il n'y a rien d'étrange à cela. Toutefois, si ma remarque sur l'expérience mystique que nous serions en train de vivre est exagérée, le fait de se retrouver en train de rire aux éclats autour d'un guéridon n'est pas si anecdotique que cela. Chose amusante, il existe en effet un vieux calembour très connu utilisant le mot guéridon qui illustre remarquablement la situation dans laquelle nous nous trouvons désormais. Si tu es gay, ridon. Grâce à ce célèbre jeu de mots, notre franche rigolade autour du guéridon prend un sens tout à fait particulier, devenant même, d'une certaine manière, une drôle de coïncidence. Qu'il soit normal ou pas de rire aux éclats autour d'un guéridon, ce qui est sûr, c'est que nous allons avoir énormément de mal à canaliser nos esprits et à mettre un terme à ce fou rire nerveux qui va durer pendant plus d'une demi-heure. Finalement, c'est grâce à Delphine et Sandrine que nous allons soudainement reprendre nos esprits et que l'ambiance va radicalement changer. Est-ce qu'on peut se concentrer ? Je sens d'un coup un courant d'air. Viens là. Oh putain ! Ça réagit, il y a deux. Non, t'as du courant d'air, il a réagi, il y a deux. Je veux un courant d'air là. Oui, il a réagi, il y a deux Delphine. Mais c'est peut-être ton téléphone. Non. Comme par hasard, ça fait comme par hasard. Oui, mais j'ai vu que c'est monté d'un cran. Oui, c'est monté. Non, trois crans. Là, ça vient de le refaire. Mais effectivement, je trouve jaune, voire. Mais effectivement, on a un téléphone à côté. On a deux téléphones pas loin. C'est un hasard. Les téléphones sont. Je sais pas, je crois. Ouais, il va allumer le mien. Alors, on va les mettre en mode avion. Moi, je suis pas mal pour moi, le mien. Oui, mais justement, pas eu courant d'air comme moi dans Scarlett. Et comment un avion machin il se met. Moi, je suis sûre, il y a quelqu'un avec nous là. Il y a quelqu'un. Ça nous a bien calmé là.
Sandrine est catégorique. Parce que le K2 qu'elle a souhaité utiliser ce soir vient de s'activer au moment où Delphine indique ressentir un courant d'air, pour elle, il n'y a pas de hasard, il y a désormais quelqu'un avec nous. Si l'événement en question et la forte réaction de Sandrine vont effectivement immédiatement calmer l'euphorie générale dans laquelle nous nous trouvions, Didier et moi allons rester beaucoup plus pragmatiques et nuancés. Nos téléphones portables que nous avons tous avec nous depuis que nous avons rejoint le salon et qui sont tous allumés peuvent en effet générer des radiofréquences qui peuvent être à l'origine des activations du K2 posées sur la table. Et son déclenchement au moment où Delphine explique avoir froid peut très bien être un simple hasard. D'ailleurs, cette sensation de courant d'air ressentie par cette dernière peut aussi ne pas être forcément liée à la présence d'un être invisible ou d'un esprit qui nous aurait rejoint. Pour le vérifier, nous allons tous éteindre nos téléphones portables. Et puisque Sandrine dit être sûre que nous ne sommes plus seuls, nous allons reprendre nos places autour du guéridon pour mener, beaucoup plus sérieusement, notre séance de spiritisme en espérant avoir, pourquoi pas, un contact avec cette chose qui serait désormais parmi nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez faire basculer la table, s'il vous plaît ? Faire toute autre chose pour vous manifester. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Est-ce que vous pourriez faire bouger cette table, s'il vous plaît ? Pour nous montrer que vous êtes là. Est-ce qu'un esprit du château accepterait de communiquer avec nous ? Ou toute autre entité, et de répondre à nos questions, si c'est le cas, et qu'il se manifeste en déplaçant ou en faisant basculer la table qui est sous nos doigts. Est-ce que vous pouvez faire bouger cette table maintenant, s'il vous plaît ? Es-tu là ? Nous allons rester assis autour de la table, les mains posées sur le plateau, pendant plus d'une demi-heure. Et malgré le calme et le sérieux dont nous allons tous désormais faire preuve, le guéridon ne va absolument pas bouger. Aucun événement particulier ne va se produire, et nous n'aurons aucune confirmation que la présence invisible suspectée par Sandrine nous ait réellement rejoint. Il est désormais pratiquement 3h du matin, et après l'effervescence et l'hystérie, face à l'immobilisme du guéridon et à cause de l'heure tardive, ce sont désormais la lassitude et la fatigue qui règnent au sein du groupe. Moi, je suis naze, personne. Un coup de zèbre. Je crois qu'on n'arrivera même plus en dormir. Non, là, j'ai vraiment pas fini de dormir. En fait, j'ai vraiment envie de dormir. On arrête. Je sais pas ce que je vais faire pour cette séance. Hein. Nous n'aurons donc pas réussi à établir une quelconque communication en utilisant le guéridon, mais à cause de l'état d'hilarité générale dans lequel nous nous sommes tous retrouvés, cette séance de spiritisme menée dans le château de Vos restera malgré tout une des plus inattendues et des plus étonnantes à laquelle il m'a été donné de participer. En dehors de cela, si rien de particulièrement troublant ne s'est produit, cette dernière soirée d'enquête aura tout de même été riche d'enseignements. Elle va notamment permettre de constater qu'à tort ou à raison, Sandrine, qui a du tempérament et un caractère très spontané, a eu à plusieurs reprises tendance à naturellement surinterpréter les événements et à conclure un peu rapidement que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Un fonctionnement d'autant plus flagrant que Delphine, Didier et moi-même sommes restés plutôt prudents et cartésiens tout au long de la soirée et que rien d'inexplicable ne s'est finalement réellement produit.
cette question de l'influence que pourraient avoir certains membres d'un groupe sur les autres pour expliquer un phénomène paranormal avait déjà été relevée par Jean-Yves Casga lui-même au sujet des événements qui se seraient produits en sa présence dans le château de Vos en août 1984. Vous qui êtes journaliste scientifique aussi. Bah, nous, on a quand même, vous imaginez, un petit peu envisagé un certain nombre de choses. Bon, la première impression en sortant, à part que c'était une émotion invraisemblable, hein, parce qu'il y a toute l'équipe, vous imaginez ce qui se passe. Il y a toute l'ambiance, là. Je suppose que Bernard Houdin y est sensible, parce qu'on a le château du Moyen-Âge, le baron qui est une figure quand même assez extraordinaire, la légende locale, l'histoire de Lucie, il y a tout ce qu'il faut pour tous les ingrédients du fantôme. Première réaction, une fois qu'on s'est un petit peu calmé, hein, parce qu'il y a eu un moment où c'était le club des cinq en vacances, vous voyez, c'était un petit peu ça. On s'est dit, bon, phénomène d'autosuggestion. Oui, on s'est dit hallucination collective, parce qu'en réécoutant les bandes, c'est tellement évident que c'est le médium qui met toute la mécanique en marche, parce que c'est le premier à voir, c'est le premier à dire « est-ce que tu vois pas ça ?», c'est le premier à lancer sa petite fille, etc. C'est intéressant ça, Rémi Chauvin, parce que la présence du médium n'explique pas l'apparition ce soir-là. Ah, c'est vrai qu'on l'a un petit peu soupçonné. C'est élémentaire, mon cher Watson, c'est classique. En 1984, c'est le médium Raymond Réan puis sa petite fille Aurore qui vont d'abord indiquer apercevoir quelque chose de lumineux près d'une fenêtre, et ce sont eux qui vont très majoritairement s'exprimer à ce sujet tout au long de la durée d'apparition du phénomène. Raymond Réan, qui a pris les choses en main dès le départ, va ainsi constamment commenter ce qu'il voit, indiquant au reste du groupe où et quoi regarder, tout en racontant sans exprimer le moindre doute qu'il s'agit de Lucie. Au sein d'un groupe d'individus conditionnés par du folklore ou par une histoire surnaturelle, dont les membres espèrent fortement être témoins d'un phénomène paranormal, il pourrait suffire d'un seul lanceur d'alerte un peu convaincant déclarant que quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire pour qu'une adhésion générale s'opère et qu'une forme de confusion irrationnelle se mette en place. Ce n'est qu'une hypothèse, mais ce principe de suggestion pourrait peut-être expliquer une grande partie des témoignages d'apparition observés à Vos depuis le début des années 80. Voilà, dernière nuit passée à Vos. C'est le matin du départ, enfin le jour du départ. Ce matin, ça va être décablage de tout ce qu'on a installé avec Didier pour cette enquête, notamment les câbles qu'on a fait descendre par la fenêtre pour aller au rez-de-chaussée. On a dû installer plus de 400 mètres de câbles dans ce château, à l'air de rien. Il va falloir ranger tout ça et le reste. Nuit très courte, hein. Moi j'ai dû dormir 4-5 heures, même pas. Et on a de la route à faire. Une nuit très calme aussi parce que j'ai rien entendu, rien vu. J'ai pas eu besoin de prendre cette caméra cette nuit pour vous signaler quelque chose d'étrange. Et puis on se réveille en musique. J'essaie de la faire. Voilà. Arrête. Didier à chaud au matin sans être alimenté. Non mais est-ce que tu peux me... Vraiment, en quelques mots, me parler de ton séjour. Alors, d'un point de vue paranormal, déjà. Si tu dois faire une conclusion à chaud. À chaud... Par rapport à ce qu'on a vécu. Pas de présence. Enfin, j'ai pas ressenti de présence, j'ai rien ressenti de particulier. Par contre, lieu apaisant. Mm-hmm. Et plein de surprises. J'ai adoré faire équipe avec toi. Tu es un patron extra. Je suis pas sûr. Si. Non, j'ai adoré, c'est... C'est, je sais pas, le côté travailler ensemble, je trouvais ça très bien. Voilà, donc on se retrouve peut-être pour une prochaine aventure. Qui sait, on sait jamais. À voir, si j'ai besoin d'un technicien qui restera au PC de surveillance, absolument, je rappelle à toi. Oui, mais je serai ravi de reparticiper avec toi. De mon côté aussi, c'était assez sympa de passer la semaine avec toi. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est une bonne idée de venir seul ou pas? Ben là, franchement, c'était une bonne idée parce que la semaine m'aurait paru très longue et je crois que j'aurais pas réussi à faire le quart de ce qu'on a réussi à faire. Enfin, l'air de rien, l'installation technique nous a pris 2 jours. Oui. Alors, on a le sentiment que c'est pas pour grand-chose parce qu'on n'a pas eu de résultats très probants. C'est pas grave. On a fait notre maximum. Je crois vraiment qu'on a fait ce qu'on pouvait. Voilà, on peut pas faire plus. Non, certainement pas plus.
Quand il n'y a personne, il n'y a personne. Ce qu'on fera en remontant, pour ne pas faire toujours pareil hein, de trajet inutile, on remontera quelques affaires. Là, il y a Victor déjà remonté. Il y a Victor, les enregistreurs que j'ai laissé tourner. Il y a même les caméras, tu sais, on peut débrancher toutes les caméras. Ah oui. Les monter et en deuxième partie, s'occuper des câbles ensuite. Avant de démonter tout le matériel que nous avons installé dans le château, nous allons d'abord rejoindre le rez-de-chaussée, et plus précisément la cuisine, pour préparer notre dernier petit déjeuner dans les lieux. Je vais profiter du trajet pour consulter ma boîte mail, et je vais découvrir que le studio Les Trois Becs, spécialisé dans les chants d'oiseaux que j'avais contacté il y a quelques jours au sujet des sons captés par les micros du chemin de ronde, m'a enfin répondu. Après écoute de l'enregistrement que je leur ai envoyé, voilà quelles sont leurs conclusions. Bonjour, je viens d'écouter et de réécouter vos trois sons au casque. Pour moi, c'est un hibou moyen duc. J'ai écouté tout ce que j'ai comme son de ce hibou, c'est ce qui se rapproche le plus de vos enregistrements. Comme vous dites que ça a été enregistré dans un chemin de ronde fermé, ça devait faire du bruit dehors. La saison du chant du moyen duc commence en février, culmine en mars-avril et s'arrête en mai. On est en plein dedans, et vers minuit, c'est son heure aussi. Je vais immédiatement informer Didier que les sons que nous avons entendus ne seraient donc pas les gémissements d'un fantôme, mais ceux d'un hibou niché à proximité du chemin de ronde. Pour en avoir la confirmation, je contacterai d'autres spécialistes quelques semaines plus tard. Nicolas Faune, qui tient une chaîne YouTube consacrée à l'observation des animaux sauvages, pour qui les sons que nous avons perçus à Vos sont bien ceux d'un oiseau, et Brigitte Cohu, du faucon Solonio, qui vit au quotidien avec des rapaces nocturnes et qui va reconnaître immédiatement et sans hésitation les bruits qu'un hibou peut parfois émettre. Il ne fait donc absolument aucun doute que malgré leur aspect presque humain et féminin, les gémissements qui ont été captés par les micros disposés dans le chemin de ronde du château de Vos aux alentours de minuit il y a quelques jours, n'étaient pas ceux d'un fantôme. Ou alors, comme l'indiquait le journaliste Patrick Hester pour le journal d'Antenne 2 en 1985, « Et si c'était le fantôme de la chouette ?» Nous allons profiter du petit déjeuner en compagnie de Delphine et de Sandrine qui nous ont rejoints pour faire un premier bilan de cette longue enquête que nous venons de mener, constatant avec une certaine frustration qu'absolument rien d'inexplicable et de profondément surprenant ne s'est produit cette nuit et plus largement pendant notre séjour, et que le seul événement dont nous avions été témoins et sur lequel nous émettions encore des doutes n'avait finalement absolument rien de paranormal. En séjournant pendant 6 jours et 5 nuits dans le château de Vos, malgré notre présence prolongée et constante, malgré nos heures de veille et de vigilance et malgré tout le matériel déployé, Didier et moi n'aurons absolument rien vécu, rien filmé, ni rien rencontré d'étrange, et nous n'aurons pas été témoins de la célèbre apparition du fantôme de Lucie. En refermant les portes du chemin de ronde, enfin débarrassées des micros et des caméras que nous y avions installées, mes émotions sont partagées. Si d'un côté j'ai le sentiment d'avoir fait de mon mieux, en menant l'investigation la plus approfondie, la plus longue et la plus aboutie que j'ai eu l'occasion de mener jusqu'à aujourd'hui, d'un autre j'ai l'impression que mon travail n'est pas totalement accompli. Et que je ne suis pas allé au bout des choses. Au moment où je m'apprête à quitter les lieux, je ne le sais pas encore, mais mon enquête est loin d'être terminée, puisque quelques semaines plus tard, je vais de nouveau séjourner dans le château de Vos. Je vous le concède, revenir à Vos à peine un mois après avoir déjà séjourné dans le château pendant plusieurs jours sans y avoir constaté la moindre activité paranormale, et ce malgré les frais liés au voyage et à l'hébergement sur place, peut sembler étrange et inutile. Une décision qui pourrait paraître d'autant plus farfelue que si j'ai organisé ce deuxième séjour, c'est pour une seule et unique raison, la pleine lune. En août 1984, lorsque Jean-Yves Casga est venu à Vos avec la radio et la télévision, puis plus récemment, en juillet 2021, pour Sandrine et l'équipe d'enquêteurs qu'elle accompagnait, la lune était pleine et parfaitement visible, et les personnes présentes ces deux soirs-là auraient assisté à une incroyable manifestation lumineuse. Ephraim Tagori de la Tour, l'ancien propriétaire, précisait d'ailleurs qu'une des conditions essentielles pour voir Lucie était justement la présence de la pleine lune. Si je suis revenu à Vos, c'est donc principalement pour vérifier de quelle manière l'astre lunaire pourrait avoir un rôle à jouer, qu'il soit naturel ou éventuellement surnaturel, dans le processus d'apparition du phénomène qui semble se produire dans le chemin de ronde du château. Ce soir, j'ai donc rendez-vous avec la lune, et peut-être que grâce à elle, je vais aussi, enfin, rencontrer Lucie. Je suis dans le château, je viens de rejoindre la chambre dans laquelle je vais passer une partie de la nuit, pas toute la nuit, mais une partie de la nuit, parce que je reprends la route demain, donc il faudra que je dorme un petit peu. C'est la chambre, c'est pas la même chambre que celle dans laquelle j'étais. Il y a un mois, c'est celle dans laquelle Didier a dormi.
Le chemin de ronde, il est juste derrière cette porte. C'est très étrange de se retrouver là un mois plus tard. J'ai évidemment une pensée pour toutes les personnes qui sont qui ont partagé l'expérience d'il y a un mois avec moi. Sandrine et Delphine, qui avaient dormi dans la chambre là, qui servait de QG. C'est là qu'on s'était installé avec Didier. C'est là que j'avais installé pas mal de matériel. Donc, grosse pensée pour Didier aussi. Le fait d'être tout seul, évidemment, c'est beaucoup moins rassurant. Même si, je le rappelle, la porte qui est là, au fond, c'est la chambre de Jérémy. Et qu'en dessous de cet étage, on a les quartiers, les appartements de Madame Mincer, la propriétaire actuelle, qu'on entend vivre, évidemment. Donc je ne serai pas si seul que ça. Mais psychologiquement, ça sera différent quand même. Il est 17h, tout va bien. Je suis dans la cuisine dans laquelle on a pris tous nos repas avec Didier et tous nos petits déjeuners, dans lequel je vais aussi pouvoir... je viens de me faire un petit goûter, on va dire, avec une petite boisson chaude. Et je voulais préciser une chose, parce que je ne sais pas si je l'ai expliqué quand je suis venu il y a un mois, mais en fait, cette cuisine se trouve juste en dessous. Au-dessus, en fait, on a les appartements de Madame Mincer, la propriétaire, qu'on voit d'ailleurs en photo juste là. Enfin, on la voit un peu partout, de toute façon, dans le château, ce qui est normal. En fait, elle se trouve, ses appartements sont juste au-dessus. Et c'est vrai que le premier soir, on est arrivé ici avec Didier, on était en train de manger. Et tout d'un coup, on a entendu marcher, on entendait le bruit de pas. On a même senti des vibrations dans le mur qui est là. Je sais pas pourquoi, ça s'est mis à... on sentait comme des vibrations. Et puis on entendait murmurer, il faut savoir que Madame Mincer vit juste au-dessus. On a compris très vite qu'en fait c'était elle qu'on entendait vivre dans ses appartements, ce qui est tout à fait normal. Donc rien d'étrange. Je le précise parce que je sais que d'autres personnes qui sont venues se sont étonnées d'entendre marcher à l'étage, mais en fait il n'y a absolument rien de mystérieux. Alors ici, c'est la pièce où on a tenté de faire du guéridon et où ça a fini en... Ah, c'est resté ouvert, ça, c'est étonnant. Et où ça a fini en franche rigolade à cause de ça. De me dire que j'ai pas joué de piano. Je le réexplique parce que je crois que j'ai déjà expliqué il y a un mois, mais l'électricité est assez vétuste. Donc, quand on utilise, pour ceux qui utilisent des équipements comme des pods, des capteurs électromagnétiques, de champs électromagnétiques, il faut vraiment se méfier. Alors, je dis pas que c'est l'explication, hein, mais on a quand même une installation électrique particulièrement désuète dans tout le château.
qui m'a saisi en rentrant dans ce chemin de ronde, c'est la température. Il fait super bon, il fait chaud. On y est super bien. Alors que j'en garde un souvenir d'il y a à peine un mois où il faisait très très froid. Là, c'est vraiment, vraiment très particulier. Salut, coucou. On m'entend ? Je sais pas du tout si j'ai une connexion suffisante pour assurer un live de là où je me trouve. On m'entend très bien, ok. Si vous êtes un peu connaisseur en matière de paranormal, vous reconnaîtrez peut-être l'endroit où je suis. Je suis actuellement dans le chemin de ronde du château de Vos. Là où apparaît le fantôme. Là où sera apparue Lucie. Là où l'équipe de France Inter en 1984 a vu apparaître un truc de dingue. Je suis sous la tour qu'on appelle tour mal coiffée, qui était un peu la tour prison. Et je suis vraiment au niveau zéro de cette tour, avec, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà là, cette ouverture en fait qui, de ce qu'on m'a raconté, servait à nourrir les personnes qui étaient emprisonnées ici. On est vraiment dans l'oubliette, et si Lucie a existé, c'est ici qu'elle aurait été enfermée. Donc on y accède par l'extérieur, par cette petite ouverture, et je pense que c'était beaucoup plus profond. Ça a été remblayé, il y a du remblai qui a été mis ici, et à mon avis c'était donc beaucoup plus profond. J'avais envie de voir un petit peu comment était l'ambiance à l'extérieur. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, le village est un peu animé. Il y a ce soir des gens qui font un barbecue notamment. Il a fait très beau, très chaud. On a un magnifique week-end. Il fait encore très doux, là. Moi, je me suis un petit peu couvert, mais je n'ai pas les températures, mais on doit être aux alentours de 15 degrés. Il a fait très bon aujourd'hui. Donc forcément, les gens vont profiter de leur soirée. On est samedi, c'est le week-end. Donc, grande vigilance par rapport au bruit. Le chemin de ronde donc est juste là. On voit c'est ce passage, on voit les meurtrières comme ça qui s'enchaînent. C'est ici, hein, entre ces deux tours, chemin de ronde, que je vais passer l'essentiel de ma soirée. Donc forcément, tous les bruits que je pourrais entendre pourraient provenir de l'extérieur. Il va falloir que je sois très vigilant là-dessus. Autre chose, énormément d'oiseaux qui nichent notamment dans les tours. J'en ai vu énormément, il y a beaucoup de bruit ce soir, beaucoup de vie animale. Donc ça aussi, il va falloir que je m'en méfie. Je sais qu'il y a beaucoup de chouettes qui vivent autour du château de Vos, et dans le château de Vos, apparemment. Donc il va falloir que je sois très vigilant là-dessus. Donc ce soir, mon but, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans ce chemin de ronde, voir de quelle manière la lune peut avoir une forme d'importance dans les apparitions qui ont eu lieu depuis maintenant presque 40 ans dans ce chemin de ronde, dans ce château de Vos. Et je ne sais pas du tout ce que je vais faire ce soir en dehors de ce focus que je compte faire une fois de plus sur ce chemin de ronde, puisque c'est vraiment ce qui est, à mon sens, le plus important en termes de paranormal à Vos. Donc juste là, le point blanc qu'on voit au loin, c'est la lune qui est au rendez-vous. C'est cool, il est à peine 21h, la nuit n'est pas encore complètement tombée. Elle n'est pas très haute dans le ciel, donc ça me laisse vraiment une longue... je pense qu'elle va continuer de monter, elle va certainement faire une trajectoire comme ça. Donc ça me laisse vraiment une longue période pour pouvoir observer le chemin de ronde, essayer de comprendre ce qui peut se passer, pourquoi la lune est a priori importante, les fois où des gens ont vécu ou vu quelque chose dans le chemin de ronde. La lune était là, en 1984, pleine lune.
L'année dernière, en 2021, au mois de juillet, pleine lune. Donc j'ai eu des témoignages de gens qui ont vu quelque chose dans le chemin de ronde, ou cru voir, ou il s'est passé des choses lors de pleine lune. Donc à moi de voir si bien cette pleine lune, ces rayons, créent un effet d'optique dans le chemin de ronde, ou est-ce qu'elle a quelque chose d'un peu magique, d'un petit peu mystérieux, de mystique, hein, qui permettrait éventuellement à un fantôme d'apparaître plus facilement. C'est ce que je vais tenter de vérifier ce soir. Je suis ravi, elle est juste superbe, elle est orientée plutôt parfaitement. Donc c'est vraiment, vraiment impeccable. La lune est au rendez-vous, je suis content. Je suis pas venu pour rien, on a une très 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 belle pleine lune juste là. Je suis en train de l'observer depuis tout à l'heure, je trouve ça tellement beau. Je vais vite remonter dans ma chambre pour préparer mon équipement et je vais aller m'installer dans le chemin de ronde qui est bien juste là. Donc il va vraiment être éclairé par la pleine lune. Je vais pouvoir vérifier ce que je suis venu vérifier. Je suis très content. Je me disais aussi, peut-être que la lune a... Alors moi, je sais que moi, j'y suis assez sensible. Je dors moins bien les nuits de pleine lune. Peut-être que c'est un vrai effet, un vrai impact sur le monde invisible, sur les esprits. Pourquoi pas? Et donc, direction le chemin de ronde. Juste ici, j'ai installé une caméra qui va en fait surveiller tout ce couloir. L'idée est simplement d'être sûr que s'il se passe quelque chose pendant la soirée, enfin tout le moment où je vais être dans le chemin de ronde qui est juste là, ça ne puisse pas venir de quelqu'un qui serait arrivé dans le couloir. Donc l'idée, c'est de surveiller mes arrières, en quelque sorte. Donc c'est très particulier de se retrouver là, tout seul, de nuit. Je m'y attendais. Je m'attendais à ce que ce soit un peu pas flippant, mais enfin, ouais, particulier. Juste ici, j'ai installé une caméra à vision nocturne qui va rester statique. Et là, un enregistreur numérique qui enregistre déjà. Tous ces appareils sont déjà fonctionnels. L'enregistreur numérique, je l'ai mis là en fait parce que aux autres endroits, les autres fenêtres, les autres ouvertures du chemin de ronde, j'ai laissé malheureusement passer beaucoup d'air et j'ai eu peur que ça fasse du bruit, hein, du vent et des choses comme ça. Donc je vais m'immerger dans le noir. Et je vais attendre qu'il se passe quelque chose. La question que je me pose, c'est j'attends où? Est-ce que j'attends là où se trouve la caméra, là, ou où? Ou est-ce que je me mets plutôt au niveau de cette porte? Oh, il y a une petite chauve-souris, déjà. Donc ça va être très très intéressant. On va essayer de l'écouter. Thank you.
Donc je l'ai vu. L'intérêt de cette Batbox bâton, cet appareil qui permet d'entendre les ultrasons dégagés notamment par les chauves-souris, c'est de s'assurer quand on est dans un lieu où on entend les petits piaillements. Il doit y en avoir une juste à l'extérieur. Donc l'idée, c'est de pouvoir vérifier dans un lieu, de vérifier s'il y a des chauves-souris ou pas, ce qui permet d'éventuellement, si on voit une ombre, si on voit quelque chose passer du coin de l'œil, on sait que c'est potentiellement une chauve-souris, que l'endroit est habité par cet animal. Et là, je pense qu'il y en a même un paquet. Bon, c'est pas surprenant, je le savais parce que j'en avais déjà vu. Mais c'est toujours amusant de pouvoir écouter l'invisible, enfin l'inaudible plutôt. Allez, je m'immerge dans le noir. Je pense que je vais attendre plutôt au fond là du couloir. Ça me paraît être mieux. Je vais déplacer la caméra. Alors, première chose que je remarque, c'est que en m'habituant à l'obscurité, je vois effectivement, vraiment c'est faible, hein, c'est quand même très sombre, mais on voit un peu passer la lumière de la lune et éclairer les murs qui sont en face, mais c'est vraiment très léger, quoi. Je vois pas le fond du... Ce qui éclaire le plus finalement, c'est les diodes de mes équipements, de mes caméras. Mais je vois absolument pas le fond du couloir. Mon épouse m'a envoyé un message ce soir, pour souhaiter une bonne soirée évidemment, mais aussi pour me dire qu'il y avait un événement spécial au niveau des astres cette nuit, en plus de la pleine lune. Il y a un alignement de plusieurs planètes. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'il y a Mars, Jupiter. Donc je crois qu'il y a 7 planètes, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais 7 planètes qui s'alignent cette nuit et qui seront définitivement alignées demain matin. Donc est-ce que cet alignement, est-ce que les astres auront eux aussi peut-être leur rôle à jouer ce soir? Je ne sais pas. Alors, plus ça va, plus je commence à voir... Alors, je vais m'avancer quand même pour m'assurer que c'est ça. Mais plus je commence à voir, effectivement... Je vais vous montrer. Vous voyez, on voit les différentes ouvertures. Je vois celles qui sont proches de moi, je vois pas très loin. Mais ça ne crée pas de projection particulière.
Donc... Pour le moment, malgré cette lune qui est encore assez basse, quoi qu'elle monte rapidement, est-ce qu'on la voit ? Je la vois pas. Malgré cette lune, pour le moment, enfin, j'ai du mal à imaginer que ça puisse faire une projection de type fantôme ou spectre. Par contre, effectivement, là, pareil, avec le Velux qui est là-haut, on voit mieux. Je vois la lumière de la lune passer à travers. Donc en fait, en s'en approchant, on voit la lumière passer par les meurtrières, puisque la lune est côté meurtrière. Mais ça n'éclaire pas énormément. La lune ne permet pas de voir... De voir parfaitement. Je vais m'éclairer quand même, parce que moi, je ne vois absolument... Enfin, je vois pas grand-chose. Voilà, par exemple, je peux difficilement me déplacer... Malgré la présence de la pleine lune, sans lampe, c'est compliqué. Je vais poursuivre ma surveillance et mon observation solitaire du chemin de ronde pendant plus d'une heure, constatant que si on distingue assez bien les contours des différentes ouvertures grâce à la pleine lune, la lumière que cette dernière renvoie ce soir est par contre bien trop faible pour créer des projections lumineuses. Un premier constat qui met à mal une des théories rationnelles généralement avancées pour expliquer les phénomènes observés à Vos, celle des raies lunaires. Basé sur le principe ancien du sténopé ou de la caméra obscura, on pourrait même imaginer que dans une profonde obscurité, la lumière renvoyée par une pleine lune très éclairante passant par des ouvertures étroites pourrait par moments créer des artefacts lumineux sur les parois du chemin de ronde. Un principe de projection naturelle que vous avez peut-être tout comme moi déjà observé. J'ai par exemple filmé les différentes images que vous voyez actuellement sur un des murs de mon domicile il y a quelques jours. On y voit la lumière du matin qui projette tout simplement le feuillage des arbres se trouvant à l'extérieur à travers des volets très légèrement entrouverts, créant cette tache lumineuse, changeante et ondoyante qui évolue lentement sur le mur. Ça reste à démontrer, mais peut-être que la pleine lune pourrait aussi créer ce type de phénomène optique. En ce qui concerne donc les apparitions observées à Vos, cette idée de rayon ou de projection n'est qu'une simple hypothèse. Et pour le moment, je n'ai absolument rien constaté de particulier. Mais il est encore tôt, la lune va se déplacer, sa luminosité et son angle d'éclairage vont peut-être évoluer, et il n'est pas encore minuit. En attendant l'heure où est censé apparaître le fantôme, et parce que ma veille risque d'être encore longue, dans l'immédiat je vais décider de quitter le chemin de ronde pour aller me reposer un peu dans ma chambre. Un repos qui va être de courte durée. Alors évidemment je filmais pas, j'étais allongé sur le lit là, en train de me reposer un petit peu avant de retourner dans le chemin de ronde, et ma lampe vient de clignoter, enfin la lampe qui est là. Ça m'a pas mis bien. En sachant que là, ça, c'est relié. Donc un système qui permet de chauffer le lit. Faut voir. Prise. Et on doit avoir une multiprise sous le lit. Le câble passe le long de la porte. Ok, voilà. Même ça, c'est pas exceptionnel. La terre est pas faite correctement. C'est pas ce qui explique un clignotement. Moi, j'étais allongé comme ça, et d'un coup la lampe a fait clac 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 clac. Il faudrait que ça le refasse, ce serait bien. Bon, je bougeais pas à ce moment-là, mais a priori, ça n'a pas d'incidence.
clignote, refais-le. Et là, ça va pas le faire, quoi. Je filmais pas au moment où il y a eu ça. Je suis dégoûté. J'avais l'impression d'entendre des pas. Il vient d'y avoir cette lampe qui a clignoté. J'ai des batteries que je mets à charger ici. Donc j'étais en train de m'occuper de ça. Donc j'étais accroupi et il m'a semblé entendre marcher dans le couloir, enfin par là. Le problème que j'ai, je viens d'aller vérifier, c'est que... Enfin, j'ai pensé à Jérémy, dont la chambre est juste là, au fond du couloir à côté. Je me suis dit, il est en train de marcher dans sa chambre. Le problème, et vous l'avez peut-être entendu, donc là, il est 23h30. Le problème, c'est qu'il dort, et on l'entend ronfler. Donc, c'est pas lui. La propriétaire en dessous, je pense pas. Ça me semblait vraiment venir de là. Et alors, l'autre truc, c'est que... Donc, une fois dans le couloir, j'entends Jérémy qui ronfle, donc c'est pas lui. Et il y a eu un tac au bout du couloir, et il y a une petite... Je sais pas si ça s'est vu à la caméra. Je pense qu'on a entendu le tac, mais il y a une petite baisse d'intensité lumineuse. Donc je pense que oui, effectivement, ce que j'ai eu tout à l'heure, c'est lié à des trucs électriques du château que je connais pas, mais voilà, il doit y avoir des trucs voilà, mal fichus, ou je sais pas trop. Donc ça, je pense que ça s'explique, puisqu'en fait, il y a eu ce tac au bout du couloir. Il doit y avoir un... Ah, ou alors, Madame Mincer ne dort pas, c'est elle que j'ai entendu marcher chez elle en dessous. Elle a peut-être éteint quelque chose, d'où le tac que j'ai entendu. Et quand, c'est vrai que quand on allume des lumières à certains endroits, qu'on les éteint à certains endroits, ça influence sur le courant ailleurs. Jérémy dort. Il faudrait que je demande si à 23h30, la propriétaire dormait ou pas. Mais je pense que c'est peut-être elle que j'ai entendue et c'est peut-être elle qui a éteint la lumière. Et peut-être que les fluctuations que j'ai eues tout à l'heure viennent de lumière ou de choses qu'elle éteint chez elle. Qu'elle allume et ça a une influence sur les lampes ailleurs. Ça peut être l'explication. Ou alors il commence à se passer des choses étranges. Serait une bonne chose. Mais là, je peux pas l'affirmer, j'en sais rien. Donc je vais essayer de quitter la chambre sans faire trop de bruit pour pas réveiller Jérémy. Il a de dures journées en ce moment. Mon ex, il m'en a parlé, donc je lui ai promis que j'essaierai de pas faire trop de bruit. Et je vais retourner dans le chemin d'onde. Thank you.
La lune est là-haut, très haut dans le ciel. Et elle éclaire beaucoup. Voilà comment la lune éclaire ce soir. C'est jamais évident d'arriver ici. J'entends une chouette. Donc là, gros courant d'air frais. Il est 23h58. Pas évident. Je passe un peu par toutes les émotions, là. Minuit approche et très difficile de pas se laisser envahir par des peurs un peu irrationnelles. D'autant qu'il y a beaucoup de courants d'air froid qui
C'est absolument pas normal, je le répète, mais c'est pas facile. J'ai l'impression d'entendre des petits bruits qui viennent du couloir en face de moi. Moi, je vois absolument rien, là. Là, c'est le noir complet. Malgré la présence de la pleine lune, je ne vois absolument rien. Il doit être minuit, les cloches de l'horloge auraient sonné si l'horloge fonctionnait encore. Est-ce que vous êtes là ? N'ayez pas peur de moi. Je suis absolument pas venu vous importuner. Je suis venu plein de fois pour essayer de vous rencontrer, de vous voir. Est-ce que vous êtes là ? J'allume, c'est pas possible. Lucie ? Oh, j'ai fait... C'est une chauve-souris. Oh, la vilaine. Oh, la vache, le frisson. Oh, là, j'ai des sensations dans tout le corps, là. Oh, la vache. Au moment où j'appelle Lucie, elle me fonce dessus. Oh, la synchronisation parfaite, quoi. Nous sommes un soir de pleine lune. Il est minuit, tout est parfaitement calme, et je me trouve dans la tour de l'horloge. Toutes les conditions sont donc a priori réunies pour que je puisse enfin voir le fantôme du château de Vos. J'espérais sincèrement que l'inexplicable manifestation lumineuse apparaisse enfin, et finalement, c'est une simple chauve-souris qui va soudainement se précipiter sur moi au moment où j'interpelle Lucie. Malheureusement, ce soir, cet événement qui m'aura effrayé l'espace d'un instant sera le seul événement un peu surprenant qui va se produire. Je vais en effet rester plus d'une heure trente dans les lieux sans rien voir ni rien remarquer qui puisse s'apparenter à un éventuel phénomène paranormal ou surnaturel. Je vais finir par décider de quitter le chemin de ronde. Et pour me remplacer, je vais y laisser la caméra à détection de mouvement qui était installée dans le couloir qui dessert les chambres. Caméra qui jusqu'à présent n'a absolument rien filmé en dehors de mes propres déplacements. Je vais ensuite mener mon enquête solitaire en parcourant longuement l'intérieur du château, traversant les couloirs,
les nombreuses pièces, les différents salons et les différents espaces à ma disposition. Je vais y multiplier les interpellations et les moments d'observation. Mais là encore, rien de notable ne va se produire et je ne vais rien remarquer qui soit digne d'intérêt. Je vais alors rejoindre l'extérieur du bâtiment pour y poursuivre mon enquête. Je vais d'abord arpenter la cour intérieure du château pendant un long moment avant de me rendre dans l'oubliette de la tour mal coiffée. En dehors de l'atmosphère pesante de cette salle qui servait de prison, je ne vais rien y observer d'étrange, et je vais finalement quitter l'endroit pour rejoindre l'immense terrasse du château. Et en tournant les yeux vers la façade du bâtiment, je vais faire une découverte qui va immédiatement éclaircir mes doutes au sujet des clignotements de lampes et des bruits de pas qui m'avaient surpris alors que je me trouvais dans ma chambre quelques heures plus tôt. Eh bien, la propriétaire des lieux ne dort pas. Enfin, en tout cas, c'est allumé chez elle. Et pourtant, il est très tard, et donc je pense qu'elle peut être responsable des bruits que j'ai entendus tout à l'heure. Espèce de bruit de pas. Et pourquoi pas aussi de ces fluctuations de luminosité dans mon... Enfin, ce clignotement qu'il y a eu sur ma lampe de chevet. Mais c'était maintenant, il y a presque... 3 heures. 2h30, 3h. Mais bon, elle n'est toujours pas couchée, donc je pense que c'est peut-être qu'elle s'endort très tard. Et il est probable que la plupart des sons qu'on peut entendre la nuit viennent d'elle. Même assez tard. Des bruits de pas. Ou des voix. J'ai l'impression d'entendre la télévision d'ailleurs. Il y a de la musique, il y a du bruit. Si je ne vais rien vivre d'extraordinaire, cette balade en dehors du château m'aura au moins permis de résoudre un mystère. La propriétaire des lieux veille tardivement juste en dessous de la chambre où je passe la nuit, et elle est donc très vraisemblablement responsable des bruits de pas que j'ai entendus et du clignotement d'ampoule dont j'ai été témoin quelques heures plus tôt. C'est sur cette simple découverte, et sans avoir vécu le moindre événement étrange, que je vais décider de mettre un terme à ma déambulation nocturne en rejoignant ma chambre pour y poursuivre la nuit. Bon, je vais me coucher. J'ai déambulé longuement dans tous les endroits accessibles du château. Ceux endroits où j'ai pas pu aller, c'est bon, les appartements de la propriétaire, les endroits qui sont trop dangereux et la galerie des tableaux, parce que c'était fermé à clé. Voilà. Et la cave, qui était aussi fermée à clé. Sinon, j'ai passé du temps un peu partout. Alors, je sais pas si c'est une déception, parce que là, je suis trop fatigué pour avoir des sentiments réfléchis. Mais pas d'apparition pour moi dans le chemin de ronde ce soir. Enfin, j'ai vu beaucoup de choses, donc faut voir ce que les caméras ont filmé. Mais je crois que mes yeux m'ont joué des tours à plusieurs moments. Ma lampe de chevet, je pense que quelqu'un a dû peut-être allumer une lampe ailleurs et ça a fait ce scintillement. Et pour les bruits de pas que j'ai entendus, il se trouve que la propriétaire ne dort toujours pas. Enfin, je pense qu'elle ne dort pas parce que j'entends la musique et c'est allumé. Donc, quand on regarde par ses fenêtres. Sinon, bah, j'ai donc laissé une caméra de surveillance night shot dans le chemin de ronde avec un enregistreur numérique. Et dans ma chambre, je vais laisser cette caméra qui est là cette nuit. Donc elle va enregistrer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place sur la carte SD. Donc j'ai bien fait en sorte qu'elle filme bien la porte et mon lit. Et sur ce, je vais me souhaiter une bonne nuit. Il faut que je réussisse à dormir au moins 4 ou 5 heures pour être suffisamment en forme pour reprendre la route demain, puisque j'ai à peu près 4 heures de route. Et je partirai demain matin. Voilà, je serai allé au bout de ce que je pouvais avec Vos. Allez, bonne nuit. Thank you.
Il est 8h32, je suis déjà prêt, levé. Alors j'ai moyennement dormi, mais juste parce que je me suis réveillé par moments, mais rien d'anormal. J'ai rien vécu cette nuit pendant mon sommeil. La caméra qui était là s'est arrêtée de filmer dans la nuit, donc je sais pas du tout si elle a capturé des choses ou pas. Moi j'ai rien entendu, rien ne m'a réveillé et j'ai rien vécu de particulier. Quant à l'enquête d'hier soir, eh bien, ça a été finalement très très calme. Je n'ai pas réussi à voir cette apparition. Enfin, j'ai vu beaucoup de choses. Au contraire, non, j'ai vu beaucoup de choses, mais rien qui ne me semble être autre chose que des effets d'optique, de la persistance rétinienne. Et moi, ce que je crois, c'est que quand on est dans le noir comme ça, enfin, ce qui m'a semblé, en tout cas, ce que j'ai vécu, ce qu'il en ressort, c'est que on est dans des conditions d'obscurité, des conditions d'observation telles, avec en plus cette aura du fantôme derrière, telles qu'en fait on peut tout interpréter, tout ce qu'on va croire voir comme étant potentiellement un esprit. J'ai eu des petites frayeurs hier sur des choses qui étaient totalement liées au fait que je voyais assez mal en fait. Donc c'est pas une déception, parce que j'ai vécu des journées exceptionnelles, de très belles rencontres, un travail que j'ai essayé de pousser à son maximum. Là, je peux pas faire plus. Je reviendrai pas passer des nuits ici à tenter de voir le fantôme de Lucie. Ça, c'est sûr. Je crois que je vais en rester là. J'ai fait vraiment mon maximum. Si je reviens, ce sera en vacances. J'ai vraiment fait mon maximum. Je suis allé au bout de tout ce que je pouvais faire en essayant de comprendre ce qui pouvait être de l'ordre du paranormal, ce qui pouvait ne pas l'être, et en essayant d'être très ouvert aux choses qui pourraient se produire et qui, voilà, et malheureusement, rien de suffisamment probant, suffisamment inexplicable, suffisamment illogique ou irrationnel ou anormal ne s'est produit. J'ai quand même, évidemment, encore énormément d'analyses à faire. Tout ce que j'ai enregistré là ce week-end, il va falloir que je l'analyse. Et puis, il y a aussi tout ce que j'ai ramené de mon séjour, de ma première semaine ici. Je n'ai pas fini de tout écouter, de tout regarder. Je vais peut-être avoir des surprises. En tout cas, je l'espère. C'est parfois le cas. En tout cas, là, pour le moment, contrairement à ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un lieu réputé extrêmement hanté, avec quand même des centaines de personnes qui sont venues ici et qui ont vu assez facilement une apparition, finalement. Des visites étaient organisées et on voyait des choses. Donc, moi, en ce qui me concerne, en ayant passé une semaine complète et encore un week-end ici, je n'ai absolument rien vécu qui me semble de l'ordre de l'extraordinaire, en dehors du fait que ce château est extraordinaire. Là où d'autres auront été témoins d'incroyables événements inexplicables, pour ma part, en ayant passé 8 jours et 7 nuits complètes dans le château de Vos, je n'aurais absolument rien vécu, rien vu, ni rien entendu qui me permette de croire ou de penser que les lieux puissent réellement être le théâtre régulier de phénomènes paranormaux. Quant à l'analyse des nombreux fichiers audios et vidéos, après avoir visionné et écouté les centaines d'heures d'enregistrements réalisés pendant mes 2 séjours, je ne vais y trouver aucune apparition mystérieuse, aucune manifestation étrange, ni aucun son inexplicable. En menant cette enquête longue et approfondie, et en consacrant plusieurs mois de ma vie au fantôme du château de Vos, j'espérais profondément réussir à trouver des réponses et à lever les doutes qui subsistent encore sur la réalité des phénomènes et des témoignages qui y sont observés depuis le début des années 80. Si mon séjour et mon enquête auront été une source régulière de surprises et d'étonnements, et si j'ai pu collecter et révéler de nombreux éléments et de nombreux indices qui permettront à chacun de se forger sa propre opinion sur la question des phénomènes mystérieux qui se produiraient dans le château, finalement, je vais, pour ma part, quitter les lieux avec les mêmes interrogations que celles que j'avais en y arrivant. Malgré tous mes efforts, malgré toutes mes recherches, malgré tout le temps passé et malgré tout le travail effectué, je n'aurai donc pas réussi à percer tous les secrets du château de Vos. Ah oui, avant de vous quitter, il y a tout de même une chose étrange dont j'aimerais encore vous parler. Vous l'aurez forcément remarqué, si aucun fantôme ne s'est a priori manifesté pendant mon séjour, les animaux qui vivent à proximité du château m'auront par contre joué de sacrés tours. Il y a cette chouette qui s'est exprimée dans le chemin de ronde à l'heure où est censée avoir lieu l'apparition. Ces animaux bruyants que Victor aura captés dans la galerie des portraits. Cet oiseau qui s'est envolé au moment où j'ai interpellé l'ancien propriétaire, à l'endroit où se trouve la pierre qui commémore sa mémoire. Ou encore cette chauve-souris qui s'est précipitée sur moi au moment exact où j'interpellais Lucie. Les animaux ont donc eu une place étonnamment importante dans les rares événements que j'aurais vécu tout au long de mon enquête.
S'il n'y a a priori rien de très mystérieux derrière tout cela, j'ai par contre une dernière anecdote animalière bien plus étonnante à vous raconter. Le 1er mai 2022, Julien Donzé, connu sous le pseudonyme Le Grand JD, a publié sur YouTube la vidéo de l'enquête qu'il a lui aussi menée dans le château de Vos. Dans sa vidéo, que je vous invite fortement à visionner si ce n'est pas fait, on peut entendre l'étrange témoignage de Jérémy Mincer, le fils de la propriétaire actuelle des lieux, qui raconte avoir été surpris une nuit par l'apparition d'un chien fantôme dans sa chambre. Il aurait d'ailleurs découvert des traces de pattes moulées sur les tomettes d'un des couloirs du château, à proximité de l'endroit où il dort. Un témoignage qui peut sembler rocambolesque, mais qui va, pour ma part, énormément me surprendre lorsque je vais l'entendre. En effet, de mon côté, Raphaël, un des témoins amis de la famille des Tagori de la Tour, qui a eu l'occasion de séjourner dans le château de Vos pendant les années 90 et qui n'est absolument pas en contact avec les nouveaux propriétaires, m'avait révélé une anecdote étonnante lors des échanges téléphoniques que j'ai eu avec lui le 22 avril 2022, soit 9 jours avant que Julien Donzé ne publie sa vidéo. Je vous laisse écouter le témoignage de Raphaël, un témoignage que je n'avais pas vraiment pris au sérieux sur le moment et qui a donc pris un sens particulièrement étonnant quelques jours plus tard. Après, il y a un autre truc aussi que j'ai vu, c'était dans la chambre le soir. Il y a, je pense pas que c'est des hallucinations quand même, hein, mais bon, j'ai pas bu non plus. Mais il y avait une tapisserie donc ancienne qu'il y avait dans la chambre. On était pas loin justement du chemin de ronde, au-dessus des appartements du baron. Et là, carrément, à un moment dans la nuit, bon, on dormait pas, on était deux, j'avais une lumière pensée. Il y avait un chien, c'était un berger allemand, on voyait la tête, on le voyait aboyer en surimpression sur la tapisserie, mais sans bruit. J'ai un problème là, je me dis qu'est-ce que je vois. Et je regarde et en fait ce chien aboyait sur la tapisserie. Après il y a une autre manifestation qui a eu lieu, c'est qu'il y a une lumière qui a traversé la pièce, mais alors une lumière qui semblait venir de l'extérieur, juste après ce moment-là. En fait, si je n'ai pas bien saisi, vous avez vu un chien aboyer alors qu'il n'y avait pas de chien. La tête d'un chien. Et voilà, il n'y avait pas de chien. La tête aboyait. C'est comme si, par exemple, en montage vidéo, on superpose une tête de chien qui a été filmée sur fond vert, voilà. On la superpose sur une tapisserie et on voit le chien aboyer sans son. Juste la tête.